la 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 la. Je joue à un jeu de drogué. C'est l'addiction. J'ai découvert ce jeu depuis hier. Et je peux vous dire que c'est meilleur que n'importe quel dom qui sort aujourd'hui. Alors que le jeu coûte que 2 euros. Il ne coûte que 2 euros. Il est meilleur que Horizon de merde. C'est une tuerie. Et en plus je dis pas des mensonges, c'est la vérité. Je joue avec la musique de Castlevania sur NES parce que j'aime bien l'OST de Castlevania, même si l'OST de ce jeu est très bon en vampire. Survivor, c'est le jeu. J'arrête de faire le teubé. Allez. Donc, petit délire sur ce jeu parce que j'aime bien, voilà. C'est un très bon jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? À part que c'est un bon jeu, c'est une espèce de... Comment je pourrais le décrire? C'est une espèce de roguelike, sans être un roguelike, c'est pas vrai, c'est même pas un roguelike. Si vous aimez bien les techniques un peu spé dans Binding of Isaac avec une synergie où les armes se mélangent et ça fait des trucs de fou, Vampire Survivor, c'est pour vous. Salut MP! Vampire Survivor, c'est un peu la drogue. Et je suis malade, je suis souffrant, faut le savoir. Hein. Et je m'ennuie beaucoup quand on est malade et qu'on est souffrant. Donc je suis cloué au lit. Et franchement, Vampire Survivor, ça me fait passer le temps. Clairement, c'est un jeu qui fait passer le temps. C'est très simple, vous contrôlez un petit personnage avec... Il y a plusieurs petits personnages, chacun avec ses aptitudes différentes. Vous pouvez que le déplacer. Et les attaques qu'il fait se font à intervalles réguliers. De plus en plus vite en fonction des items qu'on récupère. Et il faut attaquer des hordes d'ennemis un petit peu comme dans un... Comment il s'appelait ce jeu, merde? Le jeu de l'époque où on était dans des donjons, il fallait tuer des monstres à la chaîne. Un jeu rétro à l'ancienne que j'avais fait à l'époque. Comment qu'il s'appelle ça? Comment qu'on appelle que ça? Oh là là, j'ai oublié le nom de ce jeu. Magnifique. C'est Lazermi, hein. Bon je l'ai oublié. Dungeon Keeper, peut-être? Vous voyez, si je dis pas de conneries. Donc ça me rappelle un peu ce genre de jeu là, et vraiment Vampire Survivor, c'est un peu ça, mais dans une vaste map. Vous allez voir, c'est très sommaire graphiquement et tout, mais c'est trop la secla. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est trop la secla. Maintenant, j'ai fait l'introduction, je vais changer de musique. Enfin, ça va être trop molle. Ah, ce thème, voilà. Alors, les thèmes du jeu sont très bons, hein. Peut-être je les mettrai après, mais... Là, on va jouer avec les musiques de Castlevania, ça motive. Donc là, au début, on commence avec un seul personnage, Antonio, c'est Simon Belmont. Et au fur et à mesure, on a des ombres qui apparaissent avec des silhouettes. Enfin, des silhouettes de personnages, voilà, des ombres. Et on peut débloquer des personnages. Il y a aussi des personnages qui ne sont pas au départ, mais qu'on peut débloquer, comme ces deux-là. Et notamment, mon préféré, Poeracho, qui a les techniques de l'ail. Parce qu'il utilise l'ail, c'est une onde autour de son personnage. Et qui fait des dégâts non-stop. Sauf qu'il a moins de vie que les autres personnages. Et il bouge peut-être plus lentement. Sauf qu'on peut à tout moment, avec l'argent engrangé que vous voyez en haut au centre, acheter des power-up permanents. Vous voyez, je peux avoir plus d'attaque permanent, etc. etc. Un perso équivalent à Maria, je sais pas. Ils sont tous un peu comme Maria, ils balancent de la magie, mais tu vois que le perso, on s'en fout de l'esthétique. Hein. C'est juste les pouvoirs qui balancent. Est-ce que je peux augmenter ça? Oui, je peux. J'ai boosté ma puissance, tiens. C'est pas mal puisque l'oignon, c'est une attaque permanente qui est pas très forte au début. Mais plus vous allez comprendre, plus je récupère des techniques, plus elle deviendra puissante. Voilà, on peut acheter des power-ups, mais pas de panique si vous achetez des power-ups que vous ne voulez pas par erreur. Vous voulez changer, à tout moment on peut rembourser les power-ups, c'est-à-dire récupérer tout l'argent gagné, toute l'expérience gagnée entre guillemets, et la réallouer pour acheter ce qu'on veut dès le départ. Donc c'est pas punitif. Donc,
commence, je prends mon préféré. Au début, on a une seule map, c'est la forêt. Et après, on a la bibliothèque. Moi, je préfère la bibliothèque parce que c'est un peu plus concentré. Parce qu'on a un mur en haut, un mur en bas. C'est pas un scrolling infini comme dans la forêt. Parce qu'on peut se déplacer n'importe où dans la forêt. Là, on est vraiment cloisonné. Alors, c'est un peu plus difficile, mais il y a plus de loot. Merde, je suis revenu en arrière. Comment faire ? C'est pas grave. Allez, let's go. Vous allez comprendre, près de bandage. Voilà, je contrôle ce petit personnage, le petit vieux au centre. Bon, déjà, elle embrouille. Ils font très très mal, eux, au début, les femmes zombies explosives. Ils récupèrent de l'XP. Bon, ça, c'est une XP gratuite qu'on trouve qu'elle est. Elle est dans le niveau de la map. Et dès qu'on monte un niveau, ma barre de niveau, elle est tout en haut. C'est la grosse barre qui clignote dans tous les sens, qui devient bleue quand elle arrête de clignoter. J'ai monté un niveau supérieur. Et quand je monte d'un niveau supérieur, on nous dit de choisir entre 3 power-up. Et voilà, je choisis un des 3. C'est en français en plus le jeu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le jeu, je le rappelle, coûte 2€. Hein, sur Steam, 2,30€ si je dis pas de conneries. Et vous en avez clairement, et je dis bien clairement, pour votre argent. Si vous doutez de 2€ à perdre ou quoi, 2€ c'est quoi, au lieu de les donner à un streamer comme moi, bah vous pouvez l'acheter sur Steam. Ce jeu mérite même pas d'être piraté, je vous le dis tout de suite. Prenez-le 2,30€ pour ce qu'il propose, c'est garanti. Voilà, c'est garanti. 2,30€, vous avez un putain de jeu. Donc, voilà, il y a 3 power-up. Donc le poignard, moi je suis pas très fan parce que c'est très lent. Ça permet de décimer tous les ennemis sur la map. Alors c'est plutôt pas mal, vous direz. Mais c'est très lent à activer. Et je sais pas, il faut attendre je sais pas combien de minutes. Et à un moment donné, ce sera invivable. Vous allez voir qu'il y aura des hordes d'ennemis. Donc je préfère utiliser le tir, enfin un tir magique sur les ennemis les plus proches. Là, je parle beaucoup au début, mais après, je fermerai ma gueule. Voilà, ça va tirer des petits missiles. Au début, c'est très lent, mais les ennemis sont pas très forts, vous voyez. Avec l'attaque de live, je dis oignon à chaque fois, mais c'est live. Je l'ai quasiment one shot, donc j'ai même pas besoin de viser, vous voyez. L'avantage de la technique de Lai avec ce personnage, c'est qu'on peut cibler ses attaques. Avec d'autres personnages, on peut pas cibler. Donc vous voyez là, j'ai rempli ma barre d'XP qui est en haut là, et hop, niveau 2 supérieur, donc on propose 3 power-up. Après, on peut me proposer plusieurs fois le même power-up à chaque niveau pour le booster. Donc là, je vais prendre le bistouri d'horloger. Ça permet d'envoyer un laser qui pétrifie tout le monde pendant quelques secondes. Enfin, pas tout le monde, mais ceux qui l'a visé. Là, il y a la croix, mais ça fait effet boomerang avec la hache. C'est pareil. Je suis pas très fan de ça. Alors que là, c'est plutôt utile. Parce que quand tu auras des hordes d'ennemis énormes, là, ça va tirer vers le haut. C'est pas moi qui dirige le tir. Hein. C'est en fonction de la position. Ouais, là, ça a pétrifié. Vous voyez, ils sont bleus. Et l'XP, ce sont les cristaux bleus qu'on récupère. Vous voyez la barre en haut. Regardez, faites attention à la barre. La grosse barre qui traverse l'écran tout en haut. Allez, hop, elle va se remplir. Au début, c'est plutôt facile, elle se remplit très vite. Et plus on monte en niveau, et plus évidemment, c'est très difficile de la remplir. Voilà, alors celle-là, ça me permet d'envoyer un projectile supplémentaire, ce qui est plutôt pas mal, un projectile gratuit. D'augmenter la portée de l'attaque, si je m'en fous. Ou d'envoyer une bombe de feu, comme dirait l'autre, sur Castlevania, de l'eau bénite, qui fait des dégâts de zone, mais un peu au pif. Moi, je préfère un projectile de plus, tiens. Et je vais envoyer 2 missiles maintenant. Allez, hop, 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 je sais pas si vous avez vu les 2 lasers. Alors il faut péter les chandeliers comme dans Castlevania. Des fois il y a de l'argent et des fois il y a des poulets pour se soigner. Et ça c'est vraiment la denrée un petit peu rare. Enfin, pas si rare que ça mais primordial quand on va être harcelé de toutes parts. Parce que là vous voyez il y a pas mal d'ennemis mais c'est que dalle. Hein. Par la suite il y aura des vagues d'ennemis. Après ça deviendra un shoot them up le machin. Vraiment on se croirait dans un Tanmaku où ça tire dans tous les sens. Surtout avec le vieux que j'ai là, celui qui maîtrise la technique de l'ail, il a pas beaucoup de vie au début. Vous voyez, là j'ai récupéré un poulet. Bon, j'aurais pas dû le prendre, j'aurais dû l'économiser. Enfin, je l'ai pris. Alors, il y a même des items qui permettent de récupérer l'XP beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que quand on passe à côté d'une certaine distance, ça l'absorbe. Là, il faut vraiment que je sois dessus. Alors là, ah oui, ça c'est vraiment important, surtout quand on prend le vieux. Ça augmente les dégâts. Ça c'est vraiment très important parce que l'attaque high elle est sympa parce qu'elle protège notre personnage et surtout on peut l'utiliser comme on veut nous, vous voyez, parce que je me dirige, je dirige le halo qui est autour de mon personnage sur les ennemis et je les attaque. Attendez, on m'appelle, bougez pas. We'll be right back.
Je sais plus où j'en étais. Voilà, quand on se fait déranger même à 11h du matin, on ne nous laisse pas tranquille. Je sais plus où j'en étais. Je me suis perdu. Je parlais à autre chose. Vous voyez, il suffit que je parle d'autre chose que j'oublie totalement ce que je disais. Donc en gros, c'est bien. Voilà. En fait, le halo de Adai, voilà, c'est ça. Pas très puissant, donc pour monter, on peut. Après, on propose la Bible. La Bible, comme dirait là. Qui permet de tourner autour de nous comme dans Castlevania, mais elle est très lente au départ. Sinon, je peux augmenter la portée de mon attaque ou avoir un projectile de plus. Je ferai le projectile de plus. Donc, il faut vraiment monter le plus possible de DPS. Même si mon personnage n'a pas beaucoup de vie. Comme les ennemis sont pas redoutables et qu'ils sont très vite esquivables, ça va. Je peux se permettre de pas monter la vie au début. Tout début. Là, vous voyez, hop, ça commence à se charger sur l'écran. Bon, c'est pas énorme encore, hein. Vous allez voir qu'il y a bien pire. Alors là, c'est pas mal, les ailes, ça permet d'aller plus vite. Je pense que je vais prendre les ailes tout de suite. Je peux encore monter la vie. Alors, des fois, il y a des runs qui durent. Moi, ma plus longue run, vous voyez, le temps en haut au centre. Ma plus longue run a duré 35 minutes. À un moment donné, c'était invivable, j'arrivais même plus à tuer les ennemis. Et là, il manque de dégâts, clairement, il me manque des dégâts. J'arrive pas à one shot les chandeliers, il faut que je reste un peu dessus. Vous voyez, deux coups. Oh putain, le coulis, j'aurais pas dû le prendre. Voilà. Voilà. Et des fois, quand on a une razzia d'ennemis, on a des boss, entre guillemets, des ennemis plus coriaces, qui mettent un certain temps. Oh putain! Ah bah d'accord, ok. Bon, ça là, on la reset. Hein. Je me suis fait toucher, je sais vraiment pourquoi. Je voulais vous montrer le boss là. Il m'a saccagé ma barre de vie, vous voyez, en dessous de mon personnage. Sauf si j'arrive à retrouver un power-up qui me soigne bien comme il faut. Au début, je vais pas la reset, mais. Ah, donc, il y a des ennemis beaucoup plus coriaces qui mettent un certain temps à être tués en fonction des pouvoirs qu'on a. Et quand on les tue, ils lâchent un coffre. Ils donnent un level up direct. Ouais, hop, là, j'ai le coffre. Alors, c'est marrant, là, c'est un peu la phase pachinko du jeu. Quand on appuie, c'est random. Des fois, on a des coffres plus puissants qui donnent 5 items en même temps. Enfin, c'est rare. Ou des fois, 3 items. Et le coffre classique, comme là, on a un seul item. La petite musique funky, bon par-dessus la musique de Castlevania ça colle pas. Mais Fever, et là il m'a redonné un item qui bloque les personnages. Et voilà, qui bloque pendant une seconde de plus, donc j'ai un power up. Ouais. Il bloque plus longtemps, un petit peu plus longtemps. Enfin, ça se voit pas forcément, mais ça les bloque quand même un petit peu plus longtemps. J'aurais préféré un power up que dégâts. Hop, voilà, power de dégâts, ça je prends. J'arrive à faire le plus de dégâts possible. Après, j'augmenterai peut-être ma portée si c'est possible. Et les ennemis, je les tue un peu plus vite. Allez, maintenant, il me faut du poulet parce que je me suis fait toucher bêtement. Encore une fois, les sangliers, je les one-shot pas. J'attends un peu et 1, 2. 1, 2, 1, 2. Faut vraiment que je monte en niveau. Je monte pas en niveau assez vite là. Si les ennemis là c'est vraiment du pipi de chat. Alors ça permet d'absorber les items plus rapidement autour de nous, augmente la vitesse des projectiles. Le personnage gagne plus vite, ouais. On va prendre ça là parce que ça permet de gagner 8% d'expérience supplémentaire. Quoique non, on va attaquer plus vite les projectiles. Ouais. On est au début là. Pas besoin de. Ouais, ça les tire plus vite, vous voyez. Ouais, le DPS avant tout. Et faire une connerie, ouais, le DPS avant tout, ça les tire plus vite, vous voyez. Les projectiles sont envoyés de plus en plus vite. Enfin, pas de plus en plus vite, mais plus vite que tout à l'heure. Ça, c'est vraiment important, le DPS. Bourrer le DPS. Il me faudrait du dégât et de la vie, s'il vous plaît. On va se balader un peu. Après, la map se boucle. Quand on se déplace, les chandeliers repopent normalement. Certains chandeliers. Pas de bêtises. Donc c'est à peu près tout le jeu, c'est ça, mais franchement c'est purement addictif. Parce qu'on a envie de découvrir toutes les armes, parce qu'à chaque fois qu'on finit une game, on débloque des nouvelles armes. Il n'y en a pas énormément, on n'est pas dans un Binding of Isaac. Mais il y en a assez pour faire la découverte. Et c'est toujours sympa quoi. C'est clairement inspiré déjà de Castlevania, des armes.
faut du poulet. Bon, le poulet, vous voyez que je vous ai dit que c'était pas c'était rare, mais pas tant que ça, mais en fait, si. Voilà, le boss, il arrive pas. Il est tout seul. C'est la première fois que je vois un boss tout seul, sans ennemis autour de lui. Et bien, je peux le prendre en 1-1. C'est énorme. Tous mes projectiles vont que sur lui, ça c'est pas mal. Allez. Vous voyez la barre qu'il a par rapport au trash mob de merde. Je dois le bourrer sa mère pour qu'il meure. Hein. Voilà, merci. Il a fini encore qu'on peut accélérer l'animation. Ok, ça va power up mes missiles là. Le cooldown, donc ça va aller encore plus vite. Voilà, je vais les bombarder. Maintenant, oh putain, ça là c'est des salopes. Eux ils font énormément mal. Ennemi bloqué. Alors, un nouvel ennemi, le squelette sans tête là. Je fais pas beaucoup de dégâts. Hein. Mais c'est énorme parce qu'il pop pas d'un. Non, il pop dans les deux sens, gauche-droite, et j'ai l'impression qu'à gauche il pop plus. Il pop plus que à droite. Ça me va, hein, je peux m'échapper autant de fois que je veux. C'est bizarre. On faisait pas ça. Ça prend pas que ça me fait ça. Putain, je me suis fait toucher, mais t'es quoi, je peux me faire toucher bêtement comme ça? Ça, c'est quand je suis en stream, ça. Je suis pas content, frère. Je me suis fait toucher bêtement. Là, ça m'étonne parce que ça pop que du côté droit. Ah bah voilà. Non, ça pop du côté gauche. Bizarre, hein. Non, ça m'a jamais fait ça. Je vais crever en fait. Cette run, elle est pourrie. Hein. J'ai un bon DPS, mais. Enfin, je fais un bon DPS de la thune. De la thune. Un petit poulet. Non, pas de poulet. Je veux pas me soigner. Ouf, je vais mourir. Heureusement que le missile l'a éloigné. En rouge là qui explosent sont extrêmement puissantes, énormément mal. Les kamikazes passer entre les brocolis. Hop, les chutes de Bruxelles, c'est pas des chutes de Bruxelles, c'est des têtes de mort, mais ça ressemble tellement à des chutes de Bruxelles. Hop, de la thune, pas un seul poulet. On ne veut pas me soigner. Ah, je fais pas assez de dégâts, c'est clair. Je fasse plus de dégâts, regardez les ennemis, je mets 3 heures à les tuer. Normalement, ceux-là, je les one shot. Hein. Là, il y a un chute de Bruxelles plus gros. Puis... Je donne un coffre. Ok, on va power up mon attaque de l'ail. Regardez, le halo a un petit peu plus grandi. Un peu plus de dégâts. Vraiment un peu plus. Alors, les ghosts, on les tue plus facilement. Les ennemis en armure sont un peu plus coriaces. Là, il y a un poulet. Il y a eu un poulet. On l'a pas vu, mais je l'ai ramassé. Nickel. Ouf, je suis resté bloqué sur la... Là, ça arrive, hein. Faire attention, des fois, il y a des décors qui vous coincent. C'est la débandade. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de... Putain, mais comment je me fais toucher? Non, mais c'est incroyable. Je suis une merde. Je vous jure, jamais ça m'est arrivé offline. Là, off-stream. En off-stream. Je suis une merde. Je vais me concentrer un peu comme quand j'étais en off. Un P, il est déjà parti, hein, n'est-ce pas? Et je prends un soin. Hop, une petite abîmie. C'est encore gentil, ça. Hein. Je vous jure, des fois, ça remplit l'écran. Je ne connais pas ce qui vous arrive. Hop, putain, mais il faut que j'arrête de me faire toucher comme il y a. Faut aussi que je trouve l'item qui permet d'avoir un bouclier, parce qu'on peut avoir un bouclier. Permet de tanker 2-3 coups et après il disparaît, après il revient. Si on le upgrade, il revient assez vite. Je fais pas assez de dégâts, mais arrête de te faire toucher du coup. Ouais. Ok, on va monter. Alors quoi que je vais utiliser celle-là. On va vider un peu l'écran. Je le fais ou pas? Non, c'est mauvais bail. Prendre l'ail. Même si ça défonce tous les ennemis sur l'écran, ça me donne pas autant d'XP que ce que je. C'est pas parce que ça tue tous les ennemis que ça va. Tous les ennemis vont lâcher de l'XP, donc c'est mauvais délire. Non, je préfère monter mon power up, mon DPS, pardon. Je les tue un peu plus vite. Bah, il y a le livre de destin. Je sais pas ce que ça fait. Des fois, ça donne des trucs de fou. Des fois, non. Réduit le cooldown. Ok, ça a baissé le cooldown. C'est pas mal. On voit pas mal d'armes. Là, encore un petit soin, ça serait pas mal. Tant j'abuse. Hein. Ils m'ont donné des soins. Et lui, c'est un demi-boss. Il va mettre mon pas frappé. Il y a des connes là, pas pour les éviter. C'est bizarre, hein. Franchement d'habitude ça vient de partout, de gauche, de droite, et là maintenant ça vient que de droite. Très peu des ennemis pop de gauche. Ça va tirer beaucoup plus vite. Je les mitraille quasiment. Il faut du TP, il faut des dégâts, il faut du dégâts. Ah, un poulet.
Ça, c'est beau, papa. Il faut vraiment du dégât. Parce que j'ai un bon DPS. Enfin, je comprends toujours DPS. Ouais, DPS, c'est les coups par seconde ou c'est la puissance? Je comprends pas, moi. En gros, j'ai une bonne vitesse d'attaque. Ça tire assez vite. Il me faut de la puissance, quoi. Vous voyez, parce que les shoots Bruxelles, je les one-shot pas normalement. Je les... Dans ma game précédente, je les one-shoté avec la... cette technique. Parce que j'avais pris pas mal de DPS. Putain, je me suis fait toucher quand même. Oh, une merde là, putain, bêtement. Oh, je joue trop mal. Je vous jure, cette game, elle est pas terrible. Hein. Vraiment, j'ai fait bien mieux. Ouf, ça c'est pas mal, c'est un power-up très rare. Qui permet de one-shot, vous voyez. Oh, donne-moi. Encore, je tirais beaucoup plus vite encore. Ok, power-up. Regardez comme c'est énorme ça, c'est très rare. Je peux mettre tout nettoyer. Allez, je vais prendre XP encore. Ça c'est bon, ça c'est bon. Par contre les têtes de méduses, j'aime pas trop ça parce qu'elles sont très résistantes et elles bougent un peu partout. Moi qu'elles pétrifient pas comme dans Castlevania parce que sinon on serait bien dans la merde. Les ennemis ont pas d'attaque SP, j'ai l'impression. Oh, aïe aïe aïe, je mords. J'ai augmenté l'oignon. Je vais encore l'augmenter. Non, je prends encore un projectile ou pas? Non, ça augmente de 2 encore. Ouais, j'ai besoin de... J'ai besoin de... Aïe, aïe, aïe. J'ai pas pris de power-up de santé. Putain, j'ai pas pris de power-up de santé. Un peu mieux de dé... Je fais des dégâts un peu meilleurs. J'ai pas pris de power-up de santé, putain. Un poulet... Non. Des fois, il y a des petites chauves-souris comme ça. Sont un peu plus résistantes, là la bleue vous voyez. Il lâche un coffre ou une grosse gemme d'XP, une gemme rouge, et les gemmes bleues c'est l'XP de base, la gemme verte c'est l'XP un peu plus, et la rouge c'est la plus puissante. Pour le moment j'ai connu que celle-là, après qu'elle a un plus. J'ai vu un succès, parce qu'il y a des succès à débloquer dans le jeu, j'ai vu un succès pour aller jusqu'au niveau 100, moi j'ai même pas dépassé le niveau 38. Donc compliqué de tout ça. Oh le poulet, merci. Le poulet. Trop marrant cette histoire de poulet dans les jeux anciens. Pourquoi le poulet te soignerait plus qu'une pote d'ami? Je sais pas. C'est un bon poulet, ça soigne. C'était l'apanage des beat'em up, des beat'em all de l'époque. Un bon petit poulet. Enfin, beat'em all, pas que, parce qu'il venait aussi l'utiliser. Bon petit rôti, et ça repart. La chloroquine de l'époque, quoi, le poulet. Ah là, je me fais acculer. Je suis une sortie. Réduit le cooldown. Puis, ah, je me fais toucher un peu, c'est pas grave. Allez, on se sent un petit peu comme un joueur de NFL aussi. On doit courir en slalomant, un joueur de rugby aussi. Il a pris l'exemple sur la NFL, alors que je connais plus le rugby que la NFL. Je veux rien dire. On doit slalomer entre les mobs des fois. Ouh, ça c'est pas mal, mais c'est débile. C'est débile parce que j'ai pas beaucoup d'expo pour moi. Allez, on va pas prendre. Ça fait, ça envoie de la poudre au pif. Ça envoie des bombes un peu à droite à gauche au pif. Et on va encore monter notre attaque d'ail. Là je fais plus de dégâts. Allez, on la booste encore, l'ail. Ouais, ça absorbe à l'infini, j'ai l'impression. Ah voilà, le bouclier, ça c'est pas mal. Regardez, j'ai mon personnage qui a un bouclier autour. Bon, c'est bouclier de niveau 1, c'est un peu de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais... Ah, ça commence à bombarder, mais je fais plus de dégâts. Ça, c'est pas mal. Allez, on monte encore l'ail. Ouh, les têtes de méduses sont résistantes, les vertes, là. Ce sont les confonds avec les choux-fleurs, là. Je fais un bon dégât. J'ai un bon DPS. Non, si je peux avoir un power up de vie. Ouh. Laisse-moi passer en haut. Là ça commence à remplir l'écran un petit peu. J'ai pas beaucoup de life. Mon bouclier s'est rechargé, c'est pas mal. Avec le power up de cooldown, il se recharge plutôt vite. Oui, j'ai monté mon cooldown, donc du coup. Cooldown c'est le temps qu'il met pour réapparaître. Pour envoyer un projectile. Quand j'ai boosté ça, bah le truc c'est que maintenant ça se recharge plutôt vite. Même si là je vois que ça n'est pas rechargé, je passe. Faudrait des power-up de santé maintenant. Et d'armure.
pour avoir moins de dégâts quand je me prends un coup. La razzia de tous ses ennemis. Oh, la chauve-souris, elle est jamais morte de toute sa putain de vie. Aïe, aïe, aïe. Quand je me fais toucher une fois, c'est mort. Red Meduse qui va mettre 150 ans à mourir. Les ennemis permanents comme ça là qui mettent 50 ans à mourir, c'est terrible hein. Parce que eux tu sais qu'ils vont pas mourir, donc faut les éviter comme la peste, mais en même temps les toucher. Oh. Et aussi à tuer la chauve-souris rouge. Allez, un poulet, un poulet. Ça va pas de poulet évidemment. Les Meduse c'est terrible hein. Ils sont bien résistants. Poulet. Oh oui, le poulet, merci papa. Ça c'est beau. J'ai eu le poulailler. Cette razzia de méduse là. Tête de méduse. Allez, les petites je les one shot. Les vertes je mets deux coups il me semble. Ou un coup et demi. Allez, 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 allez. Allez, il faut les tuer, il faut les tuer. Ouf, la boss là elle est excitée. Allez, je récupère tout l'XP que j'ai désingué. Oh putain les persos là. Les espèces de fantômes, je sais pas ce que c'est. Ils sont archi résistants. Il faudrait plus de DPS pour les tuer. 3-4 coups pour les tuer. Et on va en avoir une centaine à un moment donné. Et c'est là que le jeu va me dire, allez dégage. on paraît durer encore le cooldown. Je vais augmenter ma vie. Allez hop. Voilà la barre de vie, j'ai l'impression qu'elle s'est réduite, mais pas du tout parce que j'ai augmenté ma vie. Je trouve que ma barre elle est beaucoup plus. Mais ça remplit pas la barre de vie. Mais ça augmente la barre de vie, vous voyez ce que je veux dire? Regardez comme ils mettent du temps à crever les roses là. Ils mettent 1800 ans à mourir, déjà des boss. Regardez, regardez, ils meurent pas, j'en tue même pas un. Il va en avoir une centaine. Là ça va être compliqué. Et là je peux pas mal d'XP mais. C'est compliqué. Il faut de la vie. Là je suis en quête de vie. Je manque plus assez de ma barre d'XP. Là il y a un problème. Quand la barre d'XP ne monte plus, c'est un vrai vrai problème. C'est comme ça qu'on a des power-up. Oh punaise, dégage-toi. Ouh. Ah je suis mort. Ouais, non, c'était. Non non, la run elle était pas terrible. Elle était sympa pour la vitesse de damage. Mais elle était pas terrible pour le reste. Quoi. Les dégâts étaient pas là, la vie était pas là. Pas terrible, pas terrible. C'était pas terrible, je suis chargé de musique. Hop. Oh, un autre personnage, je vais vous montrer un autre personnage, même si moi je préfère vraiment jouer avec celui-là. Et les autres personnages, ils ont tous leur avantage. Hein. On prend Antonio, mais Antonio, le souci c'est que pour moi, il n'est pas. Son arme de base, le fouet de Castlevania. Je vais prendre la forêt. Mais elle est un peu. Voilà. C'est juste un petit fouet comme ça de merde. Bon, après, on peut le multiplier et tirer dans tous les sens. Pas mal. Vous voyez, le cooldown, il est assez long quoi. 1, 2, 3, 4. Et c'est très lent au début. Alors que le l'ail, il est plus faible peut-être, mais il est permanent, vous voyez ce que je veux dire. Et je peux diriger mon attaque. Là, il faut que je me tourne vers l'ennemi. Hop. 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 Mais avec les power-ups, ça peut s'arranger. Alors on va prendre la bib. Qui va tourner autour de nous. On peut avoir l'ail aussi avec ce personnage. Après, chaque personnage peut utiliser les compétences d'autres personnages. Vous voyez, la Bible au début, elle est archi lente et hop, elle disparaît. Ce qui n'est pas oufissime. J'aurais peut-être dû prendre la hache, mais la hache, c'est pareil. T'envoies une hache vers le haut de l'écran et ça redescend. Donc là, on est dans le monde de la forêt. Et la forêt, il y a un scrolling infini, mais à un moment donné, on va se faire acculer par des plantes. On va être autour de nous. On va être un petit peu encerclé, comme ce qu'on était tout à l'heure avec la bibliothèque, avec les murs en haut en bas. Il va falloir gérer tout ça. On n'est pas à l'infini. On peut pas fuir à l'infini non plus. Vous voyez comme c'est lent avec Simon Belmont. Je monte mon DPS le plus vite possible. Et la vitesse aussi. Parce qu'après quand c'est rapide, là ça fait des dégâts le fouet. Et surtout quand on peut le tirer dans les deux sens, quand on multiplie. Enfin, la portée, mais le nombre de fouets qu'on a, ça commence à être tout père. Allez, hop. Allez, on prend le bouclier, lui aussi il a accès au bouclier. Et comme je vous ai dit, chaque personnage il a accès aux compétences des autres aussi. Le poulet, je le garde. Non, je voulais le garder de côté. Nickel. Le problème, c'est que des fois, on les prend sans faire exprès, vu qu'on est monté un peu. Putain, mais j'étais bloqué! J'étais bloqué, heureusement que j'ai gaspillé mon shield. Vous voyez, j'ai tanké un coup.
pas eu le coup directement, mais c'est mon bouclier qui l'a encaissé. Hop, alors la nuée d'abeilles, je sauve pas mal parce que au début elle fait peur et tout. On n'est pas assez fort pour la contrer, mais des fois, quand on est balèze, on peut les exterminer très rapidement et récupérer pas mal d'XP dans cette nuée. On rappelle un peu Zelda Breath of the Wild, des fois il y avait des nuées comme ça. Et au début c'est des petites chauves-souris toutes gentilles hein, comme dans Castlevania. Après vous avez des grosses chauves-souris comme le premier boss du premier Castlevania. Chauves-souris beaucoup plus grosses. C'est lent, putain. Avec l'autre personnage, j'aurais déjà zoné, putain. J'aurais monté en niveau depuis bien longtemps. Le premier personnage qu'on a, c'est nul. Je vous garantis qu'après, vous le reprenez plus. Non, même s'il a des avantages. Il a plus de vie que le vieux. Allez, voilà, on va augmenter le cooldown. Il tire un peu plus vite. Je sais pas si vous avez vu, le fouet, il le fouette un peu plus vite. Donc, les squelettes. Mais ça fait pas assez de dégâts encore. Hop. Ah, c'est lent. Hop. Ah oui, ça, voilà, c'est ce qu'il me fallait. Merci. La game est titanisée. Allez, voilà, le fouet, on va power up le fouet. Un coffre. Oh, j'ai un coffre fever avec 3. 3 items. Je vous dis qu'il y en avait 3. Il y a même des coffres qui donnent 5. Pour accélérer. Donc voilà, power up du fouet. Power up du bouclier. C'est ça qu'on voulait. Cette game allait s'endormir. Hop, en plus, j'ai power up avec le level classique. Alors on augmente la vitesse du projectile. Et là on est bien. Là voilà, c'est ce qu'il nous fallait, merci. On allait s'endormir. Alors maintenant je tire le fouet de chaque côté. Je vais même power up encore le fouet. Allez tiens, bim. Alors maintenant le fouet, regardez comme il est rapide. Vous voyez, d'un coup bim, on s'endormait. Et là le jeu il a dit tiens, tiens, dans la magie du Saint-Esprit, je te donne le pouvoir tout puissant. Transforme-toi, fils de Conan. Hop, allez, on accélère encore. Il faut que ça tire plus vite là. Allez hop hop hop. Même si une game elle commence un peu foirax, avec le loot on peut s'en sortir. Et vous voyez qu'on tire horizontalement avec le fouet. Ah merde, putain dégâts, c'est pas grave, je peux power up. Le bouclier, je suis un peu safe. Les ghosts commencent à arriver. J'ai pas envie de prendre un poulet par erreur. Par contre la thune j'aimerais bien la prendre pour monter par la suite. Je veux pas le prendre cette fois-ci. Je pense pas qu'il disparaisse. Je pense que les trucs restent. Donc je stagne à côté de cette zone pour pas le perdre en fait, le poulet. Oui, voilà. Le désavantage avec le fouet, j'ai l'impression. En tout cas, je sais pas. J'ai tout bien fait. Au moment, le seul power-up que j'ai eu du fouet qui tire un peu partout, c'est celui-là qui tire de gauche à droite. On va encore monter le bouclier. Là, je tire de gauche à droite en horizontal. Merde, je peux encaisser un coup. Ça touchait le bouclier. Pour le moment, j'ai pas eu un fouet multidirectionnel. Putain, faut que j'arrête de me faire toucher bêtement. Voilà, c'est ça. Oh putain, le poulet, il est à l'extérieur des roses là. Là. Je me fais entourer de fleurs avec la montre religieuse qui fait gage de boss. Oh, encore un poulet, mais je voulais pas le prendre. Mais putain. Alors là, les fantômes verts sont extrêmement solides. Donc les roses finissent par se dissolver à un moment donné. Dissolvant, tu sais. Les zombies verts ils sont indestructibles, c'est un truc de fou. J'ai perdu mon machin. Ouais, ils ont disparu. Est-ce que le poulet est toujours en bas? Ouais, il est toujours en bas, donc il disparaît pas. Ça c'est une bonne chose. On le met de côté, on n'est pas obligé de le prendre. Je veux juste prendre l'XP. Voilà, merci. On va réduire encore le cooldown. Je veux tirer plus vite. C'est parce que là, vraiment, mes attaques sont lentes. Maintenant je tire plus vite. Et je fais peut-être pas assez de dégâts. Hein. Regardez, les zombies verts, je les tue même pas. Je fais des 32 dégâts. Ça ne les tue jamais. Jamais 1000 ans. Après, ils donnent plus d'XP que les autres. Je ne vais pas prendre le poulet par erreur, donc on va s'éloigner. Il lâche des gemmes vertes, en fait, les zones vertes. Ils donnent plus d'XP. J'aimerais bien tuer la montre religieuse, mais là... C'est pas clair, là, ce qui se passe. Hop. Pas le poulet. Ne prends pas le poulet par erreur. Quand on aura besoin, bim bam boum. On va stagner dans cette zone. J'ai peur de m'éloigner trop loin et de le perdre, même si ça fait une boucle, j'ai l'impression. Mais
là, il y a trop de zombies verts, là. Allez, cassez-vous, là. Hop, encore un autre poulet. Mais putain, je suis château, quoi, avec le poulet. Après, chaque personnage a un niveau de chance, aussi. Je pense que Simon Belmont, même si c'est pas Simon Belmont, vous avez compris, a plus de chance que le vieux, en termes de dégâts, de loot, pardon. Là, j'ai deux poulets, deux pour le prix d'un. Après, avec le vieux, vous avez vu, j'ai galéré pour avoir du poulet. Je tournais 50 heures que je n'avais pas de poulet. Il faut que je monte, je monte les dégâts. Parce que là, je suis plus assez de dégâts pour one-shot les ennemis. En tout cas, les zombies verts à la nuit et la nuée. T'inquiète bien. Hop. Ah putain, je morfe, je morfe, je morfe. Je vais prendre le poulet encore, hein. Pas déconner. Ouh. Ouh là là. Trop de zombies verts là. Putain, ils font chier les zombies verts. Zombies verts, verts. Des zombies verts. Ah. Il faut pas que je m'éloigne du poulet, des deux poulets là-bas. Oh, le poulet, ils disparaissent pas, donc c'est bien, hein. C'est bien ça. On prend des... Oh, il y en a un troisième. Ça, c'est plus... Ah, voilà, je monte les dégâts, ça c'est bien. On prend un petit poulet, mais on garde les deux autres. J'ai plus de dégâts. Et même les zombies de base, je les one-shot pas. Trash mob, il faut que je les one-shot. Hein. Vraiment que je les tue du premier coup, parce que là, ça fait... Voilà, les grosses chauves-souris comme le boss de Castlevania, là, les roses, là. Qui au début apparaissent seules, mais après ça devient elles les majoritaires, il n'y a que ça. Et elles sont très lentes à être... Enfin... à tuer, quoi. Donc, trop d'XP, c'est salope. Ah, trop d'XP, trop de vie, je vois. Ouf, je zigzag avec le shield, c'est pas grave si j'encaisse des coups. J'ai dit, je peux avec le shield, je peux tanker les coups. Tanker les coups. Alors la nuée est sympa, mais elle pousse les ennemis aussi vers vous. Faut faire attention à ça. Je monte pas assez d'XP, putain. Déjà, après, j'étais coincé, putain. Voilà, c'est le bouclier qui a pris. J'ai toujours deux poulets. Ils sont à peu près dans la même zone. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je monte en niveau. Allez, encore une bible supplémentaire. Là, j'en ai que deux. Je vais power up tout à l'heure. La bible. C'est la thune. Ah putain, l'eau coince. J'avais oublié. Putain, les carrés bleus, là, ça coince. Alors, les araignées argentées mettent longtemps à mourir. Enfin, attention, parce que là, il y a pas mal d'endroits où je peux me coincer bêtement avec l'eau. Ouch. Oh, j'ai gagné un coffre. Je sais même pas comment. J'ai dû tuer un demi-boss. Ok, j'ai power up le shield. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'ai tué la montre religieuse, et vous voyez que là maintenant les chauves-souris grosses là sont devenues majoritaires. Mais vous voyez que mon bouclier, mon shield autour de moi, il a power up, donc il est plus solide, il est devenu vert. Vert cacadois. On va stagner dans cette zone, hein. J'en ai rien à foutre, il y a deux poulets. Ils sont toujours là, mes poulets. Non, il faut que je XP le plus possible. J'ai l'impression que j'XP plus vite qu'avec le vieux aussi. Simon Belmonto. 4 bibes. Ça vaut ce que ça vaut. Ah merde, là on va être acculé comme des enculés. Là on va être bien bien acculé. C'est pas grave. Ouh, je vais me barrer à l'UM. Ouch. J'ai le bouclier, ça va. Là il y a que des ennemis indestructibles. Là, je vous le signe dans le mille. Entre les... Merde, j'ai pris le poulet. Quelle merdasse. En même temps, regardez comment on est resserré comme des merdes. Entre les araignées. Faut que j'arrête de dire araignées. Oh, je peux me barrer. Allez, salut. Allez, voilà. Tiens. C'était dans votre délire. Sans moi. Ouh, ça, elle pousse les fleurs, ces connasses. Regardez, elles sont acculées. Ça pousse les fleurs qui sont encerclées. Voilà. Tout le monde veut m'avoir. Voilà. C'est ça. Vous n'êtes pas gentil. J'ai laissé un poulet encore. Hein. Putain! Je pensais que c'était une pièce, saloperie de pute. Allez, là, il me faut une attaque un peu plus zonée. C'est dur de jouer. Oh, pune! Ok, là, le jeu, il m'a dit, tu joues plus. Allez, le jeu, il m'a dit, t'as voulu fuir. T'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde. Oh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord.
Ah d'accord. Bon, heureusement que c'est des squelettes de merde. Hein. Mais... Ouh. 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 Le poulet. Ah putain. Heureusement que j'avais le shield là. Parce que j'ai été touché une bonne dizaine de fois là. Bon, après, c'est pas un défaut en soi les squelettes. On filait pas mal d'XP. Putain, ouais. Et si j'avais le vieux avec l'oignon là. Enfin, l'ail, putain, j'ai dit tout en oignon. Ça ressemble plus à un oignon qu'à un ail leur truc. Parce qu'il est orange. Moi, l'ail, c'est blanc. Mais en même temps, les vampires, on les tue avec l'ail, pas l'oignon. Je vais prendre ça pour aller plus vite, parce que c'est vrai que mon personnage il est lent, on bouge un peu plus vite. Ça se pique pas mal. Mais c'est pas un défaut d'avoir autant de squelettes comme ça. On s'en sort parce que ça donne de l'XP. On les tue plutôt facilement, même si là c'est une hécatombe. Il me reste un poulet que j'ai pas. Oh, le loup-garou. Alors je crois que je suis jamais allé aussi loin dans la forêt, parce que dès que j'ai débloqué la bibliothèque, je n'ai joué que dans la bibliothèque. Là je découvre aussi avec vous, parce que le jeu je le connais que depuis hier, hein. Faut pas déconner. Tu fais toucher. Tu peux bouclier. Donc là c'est la... Faut fuir. Faut fuir. Faut fuir. Oh. J'ai un peu de bouclier qui recharge. Le poulet, je sais plus où il est. Hein. I'm sorry. On va augmenter la vitesse. Et un petit poulet. Poulet. Il est au nord. Je monte au nord. Télécourant. Alors l'XP reste, hein. Donc si l'XP reste, le poulet reste, tout reste en fait. Même les ennemis restent, voilà, le poulet il est là-bas. En fait. Il est à droite. Ouf, je peux pas prendre maintenant, même si je peux bouclier. Ouh, ouais, je l'ai pris sans faire exprès. Je me barre. Maintenant c'est des nuées de fantômes. Ouh, là le jeu il m'a dit tu peux aller te faire enlever le cul. On est dans un pachinko là, les gars. Pachink là. Ouais. Ah là, que c'était mort. Non. C'était mort parce que... On n'a pas le choix, les gars. On n'a vraiment pas le choix de mourir. Voilà, c'est tout. Comme ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Et à la fin, à chaque fois qu'on meurt, on a un compte-rendu de ce qu'on a fait et... Changer de musique. On voit le nombre de power-up qu'on a eu. Donc là, j'ai monté... Les dégâts 2, ouais, j'ai très peu de power up en raid. Bof, bof, bif, bof, quoi. Non, il y a d'autres personnages, j'ai l'impression que j'ai pas tout débloqué. On va aller voir les power up. Si je peux pas monter, qu'est-ce que je pourrais monter hein. Ah, ça, ce serait plutôt pas mal. Hein. L'objectif se déplace 10% plus vite. J'ai power up la vitesse, au max. Ça c'est l'XP qu'on prend, putain on va mettre 2000 s'il te plaît. Ça c'est 8000. Je vais jouer pendant 6 ans pour y arriver. Santé max. Comment ça coûte une grosse barre de vie. Ça c'est 900, ça coûte cher. Quand la portée des attaques. Ouais. Prendre ça, hein. Les projectiles sont plus... Ils tirent plus vite les projectiles, c'est vraiment très fort. La portée des attaques de 5, ouais. Ça coûte cher, c'est 1400. Monter ça, 2000. Et pas un autre petit truc à 400, comme ça je monte tout. C'est énorme, ça c'est quoi mais ils l'ont même pas traduit. C'est, hop. Ça maudit l'ennemi, la vitesse, le heal, la quantité. Ah, c'est pas mal ça. Donne un malus aux ennemis, ressuscite une fois. Ah oui, ça c'est très fort, mais ça coûte 17 000. On ressuscite une fois, quoi. J'ai plus rien à 400 en fait. Hein. Je crois que y a ça qui permet de guérir, mais bon. Je sais pas comment ton niveau en guérit. C'est pas négligeable. Je pense que ce soit le petit opti. On va le prendre parce que c'est ça que je peux payer. Après, comme je vous ai dit, quand on meurt. Enfin, quand on meurt, non. On peut à tout moment se faire rembourser tout l'argent qu'on a récolté et réallouer l'argent au monde. Voilà, j'ai fini. Je pourrais revenir. Bon, voilà. On a essayé lui, voilà, je vous ai dit. Alors, à gauche, vous voyez les power-ups qu'on a achetés là. Voilà, par exemple, j'ai 110 en vie. Et le vieux, vous voyez, à gauche, santé max 77.
Ah, lui, il a 110. Ils ont tous 110, sauf le vieux. Le vieux, il a que 77 en truc. Après, il a plus 25 démons, c'est-à-dire qu'il attire à lui plus l'XP. Porta, lui, il utilise de la foudre. Je vous le montre. Allez. Il attaque un peu, surtout toute la zone avec la foudre. Qu'est-ce que je fais? Il y a un troisième niveau pas encore découvert, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une... il faut une mise à jour ou quoi? Au moins avec la forêt et la bibliothèque. Il faut le débloquer, je ne sais pas. Parce qu'au début on a que la forêt, mais à un moment donné ça se débloque tout seul, j'ai l'impression à force de jouer. Et on fait la forêt. Vous voyez, il envoie la foudre. Donc, au début ça tire très vite, mais c'est juste un power-up de début. Hein. Faut pas déconner parce qu'après ça va être lent. Abuser du cassoulet. Oh, et les boules de feu, tiens, le feu et la foudre. Et là, par exemple, pour tirer sur le chandelier, bah, il faut que j'attende que l'attaque se fasse. Je voudrais péter le chandelier, s'il te plaît. Là, c'est random, full random. Là, c'est pas moi qui décide. Merci. Faut attendre que les attaques se fassent. C'est ça qui est un petit peu pénible avec ces persos. Même si ça peut être très fort par la suite, puisque ils peuvent avoir des attaques. En débloquant les power-up. Au début, c'est vrai qu'on est un peu con, quoi. Il faut attendre que le feu tire du bon sens. Du bon côté, s'il te plaît, merci. En plus, on est collé au chandelier, donc j'ai peur de prendre le poulet par hasard. Presque. Alors, c'est XP au début, de toute façon. Hop. C'est encore un coup par hasard, enfin qui tire un peu au pif. Là aussi c'est un peu pareil, mais on peut un peu plus le guider, ça permet de ricocher sur les murs et sur les objets, même si c'est pas très pertinent dans la forêt. Là, là c'est beau. Dans la forêt, parce que la zone est très vaste, alors que dans la bibliothèque, il y a les murs de la bibliothèque qui permettent de rebondir l'attaque. Là j'ai fait un power-up des boules de feu, donc ça va peut-être tirer un peu plus fort. Merde. Je peux hop ma foudre. On va prendre un shield, vous savez quoi? Le shield c'est fort. Ça, ça sera fait dès le début de la partie. Maintenant je vais encore peut-être monter une ou deux fois le shield. Et après, je vais montrer les DPS. Allez! Oh le poulet, voilà. Ça, je le prends pas maintenant. De l'XP. Il me faut de l'XP. La musique m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ça va changer. Ah oui. Ça, c'est beau. La foudre là. Oui, je me suis fait toucher. Ouf, j'ai morflé un peu. C'est qu'avec la foudre, ça tire un peu au pif. Hein. Perso, c'est un peu le pif Token Sama. Ça tombe où ça doit tomber. C'est vrai qu'il faut un personnage qui se déplace vite avec. J'ai power up la vitesse, donc techniquement, il bouge un peu plus vite. Il faut aussi monter très vite en XP pour avoir pas mal d'aptitudes avec lui. J'ai l'impression que c'est ça le délire. On va prendre des gemmes. Faut pas hésiter à faire un grand détour. Donc lui il donne plus d'expérience le coup de la couronne. Ouf, je vais y prendre le. Allez, je le prends. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Là j'ai pris la couronne. La couronne elle permet de donner plus d'XP à chaque fois qu'on récupère une gemme. J'ai envie de monter plus vite en XP là parce que j'ai pas un but de foraille, hein, je ne vais pas vous mentir. Imaginez que là je me fasse attaquer par la nuée de squelettes qu'on a eu tout à l'heure. Je me fais en QQ de façon puzzle. Alors plus de dégâts avec plus de dégâts. J'ai pu upgrader ma. Non, c'était quoi? C'était la foudre. Le problème, c'est que là, j'attaque. C'est pas moi qui attaque, hein. C'est le jeu qui veut attaquer où il veut.
Tu peux un peu anticiper le tir des flammes, mais c'est tout quoi. Hop, vous voyez, en suivant les flammes, ça fait. Vous voyez, je fais pas disparaître la boule de feu dans le scrolling. Ça fait de la merde. J'ai un peu du caca. Là, je récupère de la thune, je récupère de l'XP, allez, monte en niveau, vous allez pas loin. Il faut pas hésiter à faire des grands détours, comme ça on tue un max d'ennemis, on revient sur la zone du crime, on a décimé des squelettes ou des zombies, on récupère leur XP. Allez, on monte la foudre. Allez, on veut plus de foudre là. On aimerait avoir une animation style Golden Axe. Et quand ils font des pouvoirs spéciaux là, de Max, on voit des tornades de feu ou de foudre, etc. Stylé. Là, c'était tellement stylé dans Golden Axe. Oh, j'ai débloqué un coffre. Ah, j'ai même pas remarqué. Ah ouais, les coffres ils sont indiqués par une grosse flèche. Go, on regarde ce que c'est. Ok, ça power up ma foudre. Yes, hop, plus au niveau classique. On power up le feu, on power up l'XP. Regarde à gauche, santé vaccin, portez vos mains, apprendre, plus 11, éléments. Je sais pas, rien de fou. Ampi pour l'XP, mais il faut vraiment qu'à un moment donné, on monte en XP. On a toujours un stade dans le jeu où je monte pas assez vite d'XP et je me retrouve en QQ. Comme un enculé. En même temps, c'est de ma faute parce que j'arrive pas à monter le DPS. Par exemple, les ennemis verts là, c'est terrible pour les tuer. Vous êtes de ce côté, monsieur. Pas beaucoup d'ennemis. Sans que je me fais une petite fleur. Si je note les fleurs qui m'entourent. Oh, il y a un poulet là-bas. Avec la foudre aussi, c'est ça le souci, c'est qu'on sait pas où on vise, donc du coup, des fois on débloque des trucs, on les voit même pas. Alors, il y a un poulet là-bas. Oh, c'est quoi ça? Trèfle à 4 points? Qu'est-ce que c'est? Pour monter ma luck. Ma chance, donc il faut un coffre en fait. Voilà, quand on part du loup. J'espère que ça a monté bien ma chance. C'est un coffre de base, de bise et de buzz, ça monte ma foudre. Et. Ok, et je monte en XP, je vais monter les dégâts. Je me suis pris et un poulet. Voilà. Je sais pas si on est encore en live ou pas. Si vous voulez ça tire en bas, ça va pas tirer en bas. Il faut vraiment que je monte en XP là. C'est important. Ok. Allez, je monte mon armure, comme ça je prends un peu moins de dégâts. À la montre, ça se permet de figer dans le temps tous les ennemis. Je vais la garder. Je vais la garder quand tu auras une rasée d'ennemis. Ils arrivent tous là, ils sont en train de m'enculer comme un enculé. Allez hop. Le problème c'est que là je peux pas choisir mes cibles quoi. C'est ça terrible avec ce personnage. Là, si j'avais eu l'homme oignon, j'allais dire encore une fois. L'homme avec l'ail, l'attaque de zone, là j'aurais pu choisir ma cible. C'est terrible. Aïe. Attention. Ouh, là ça devient dangereux pour ma gueule. La foudre fasse son taf plutôt que de faire des dégâts. Une attaque plus directe là. Possible de continuer avec ça. Si la foudre fait son office, j'allais dire. Donc, c'est que je ne sais jamais où elle va tomber donc. Et généralement elle tombe sur des ennemis plus éloignés que ceux qui sont à côté de moi.
Merde, j'ai pris le poulet, je voulais pas le prendre. Je voulais prendre l'XP en même temps, c'est pour ça. XP, XP up. Yes, allez. XP plus vite. J'espère. Là. Ah. Celui-là. Ça commence, le jeu il commence à me dire je ne te veux plus. Je ne te veux plus, tu es nul avec ce build. Hop. Il y a un coffre. Ose dire que je peux pas le prendre, putain il est de l'autre côté de l'arbre. Là il y a le poulaille. The poulaille. The chicken. Chicken. Dommage que j'ai personne sur mon chat, sinon j'aurais fait la blague. Dans quel jeu, à un moment donné on vous dit chicken. Il répond, il gagne 1 million d'euros. Faut lui citer personne à lui faire enculer. Je vous baise. Hop. Ça peut avoir mes flammes que j'avais pas fait depuis tout à l'heure. Chicken. Hop, oh, putain, j'ai morflé. Allez, je le prends en même si c'est pas la peine de le prendre maintenant. Allez, on monte les flammes, tant pis. Et un autre chicken, ça c'est pas mal. Bon, on a plus de poulet quand on est un autre personnage que le jeu. Le jeu est vraiment sympa, parce qu'il dirige les attaques, mais il n'y a pas le droit à la chance, hein. Attention. Après j'ai aussi pris le trèfle à 4 feuilles, peut-être que c'est ça qui m'a monté ma gueule, que j'ai pas remarqué dans mes stats. Ta pause, chance plus 10%, ouais. Peut-être pris un peu de chance. Il y a la chance aussi dans les stats. Statistiques. Ça fait des dégâts la foudre mine de rien. Mais c'est pas des dégâts qu'on voit. C'est en dehors du screen. Oh putain, je vais être acculé. Aïe aïe aïe, l'acculerie. L'acculerette. J'ai l'impression qu'il y a moins d'ennemis hein, que quand j'ai eu tout à l'heure notre Simon de Belmonto. Ah je peux switcher là. Je vais faire Nintendo Switch là. Allez hop. Voilà. Ciao. Ciao Berlingo. Pour une prochaine vidéo. Oh là maintenant j'ai accès à 4 power-up. Je l'avais jamais eu ça. 4 power-up d'un coup. Ok. Peut-être parce que j'ai eu la chance. Augmente la portée. L'armure. Pour encaisser plus de coups. Il faut faire attention parce que ça nous coince. Mine de rien, c'est une petite run de merde, mais... Une petite run de merde, hein. Je dis ça, je dis rien. Souvent, les petites runs de merde, d'un coup, ça devient des petites runs de merde. Le mec, il ose pas dire que ça devient bien. Oui, parce qu'en même temps, petite run de merde, ça continue de petite run de merde. Mais là j'ai l'impression que c'est pas moi qui vise, c'est ça qui est frustrant, c'est pour ça que je dis oh putain ça ils arrivent, ils arrivent, oh fou, l'enculé de ce capin, salut bonjour au revoir, ça y est c'est terminé. Voilà, petite run de merde. Là c'est la petite run de merde, voilà, c'est la petite run de merdasse. Voilà. C'est-à-dire que là quand t'as une horde d'ennemis comme ça qui vous accule, qu'est-ce que tu veux faire? L'attaque elle est au hasard, trouver un petit trèfle. Oh j'ai débloqué merde j'ai débloqué à Lucard. Oh j'ai débloqué des nouveaux persos. J'ai l'impression que j'ai débloqué des nouveaux persos. Arca ils l'ont appelé. J'ai débloqué Alucard ou Death. Il coûte combien? Il coûte 700. Il coûte 700. 750. Les deux ça fait 1400 1500. Je reset mon power up après j'aurai plus de sous. Je vais les acheter. Alucard ou Death. Alors lui il a que les boules de feu. Le cooldown de l'arme est réduit de 5% pour les 10 niveaux. Pour les 10 niveaux. Bon, j'ai 10 niveaux, hop, je tire plus vite. Moins 15% max. Okay. Et là, c'est quoi? Plus 5 de PV et plus 30 de santé max en permanence commence avec le bonus porté de temps. J'ai les persos de toute façon. Ah mais lui aussi c'est un ennemi de Castlevania, donc lui c'est avec bombe de feu.
On va jouer avec la lucarne, ça va être rigolo. On va réallouer les power-up même si on a perdu de l'argent. Allez, je suis un ex. Vitesse et puissance. Ouais, c'est que du cinéma. J'ai pas débloqué de niveau. Je sais pas comment ça se passe le déblocage de niveau. On prend la bibliothèque. Attends, je vais musique quand même. À Alucard, faut pas déconner. Ah, voilà, merci. Donc là, c'est boule de feu et compagnie. Donc là, pareil, c'est un petit peu pas au pif, mais. Et quand même, quoi. Et à Alucard. Alucard Goodness. En même temps, les boules de feu pour Alucard, ça a du sens. Parce qu'on voit des boules de feu dans Symphony of the Night, le meilleur Castlevania. Oh, le trèfle à 4 feuilles. Direct. Après, Alucard est apparu dans Castlevania 3, hein, attention. Alors, pas de fouet pour Alucard, évidemment. Dans le shield. Oui, la première apparition de Alucard n'est pas dans Symphony of the Night, comme certains pourraient le penser. Sans le vouloir, merci beaucoup. Mais sa première apparition est dans Castlevania 3, Simon Quest, Phoenix en Castlevania. Et voilà. Il balançait déjà ses boules de feu dans Castlevania 3. Castlevania 3 était très original parce qu'on avait la possibilité de jouer plusieurs personnages et pas que le Belmont de base. Donc ça c'était stylé. Si vous savez comme je me sens faible là, je stream et tout au micro, mais la vache, je suis dans mon lit comme un malade. Et j'ai une migraineasse. Oh, on me dirait ce jeu, il arrange pas tout. En fait, je me sens faible de tout. Hop, mais non. Aïe. Là aussi, il me faudrait l'attaque de l'ail en fait. Si j'arrive à cumuler l'attaque de l'ail avec Alucard et les boules de feu et tout y quanti, ça tire pas du bon côté. En même temps, j'attends comme une con. Faut être tout le temps en mouvement pour récupérer l'XP. XP tab. Parce qu'en fait, les ennemis pop pas en fonction de ce qu'on fait, en fonction du temps. Si on met trop de temps, bah, le temps n'a pas le temps pour le temps, comme dirait Thierry Henry. Faut que vous voyez la vidéo magnifique de Thierry Henry. Oh putain, là il est là. Magnifique vidéo de Thierry Henry sur le temps. Voilà, là j'ai un petit taille. Mais comme j'ai monté mon XP, mon attaque, il fait pas mal de dégâts mon petit taille autour de moi. Pas comme si celui du jeu. Allez, je l'ai one shot quasiment. Et là on peut cibler l'attaque, vous voyez, avec l'ail. Là je peux, voilà, là où je me déplace, j'attaque. Même si c'est risqué parce qu'il faut être au cac. Il faut monter un peu la portée. Et là on est pas mal. Là je l'aime bien. Là et c'est la vie. Le petit poulet qu'il fallait pas prendre. Maintenant. Oh, j'ai pris la montre. Oh, j'ai pris double montre sans faire exprès. Putain. On va booster les flammes de l'enfer. Pour l'infini et au-delà. Bon, je sais pas si ça cumule le temps, parce que ça a cumulé le temps, parce que j'ai frisé deux fois le temps. Sans faire exprès, j'ai pris. Putain, j'ai vraiment fait de la merde. Bon, allez, pour le. Voilà, il s'appauve pas sur le côté gauche. Si ça pop, problème à la fin. Non. Allez, les flammes font pas mal de dégâts. Allez, le zombie, la momie, pardon, me donne un petit coffre sympathique. J'augmente encore en DPS. Hein. Ouh, c'est quoi ça? Ah c'est ça, d'accord, je suis con. Allez, brûle-le. Mais vise. Hop, je booste l'ail. Un petit coffre, combo. Hop, je booste les flammes. Je nique un max. Je me rappelle l'attaque dans Smash, quand on prend l'ail. L'ail. Je comprends tout. L'ail, le piment, machin. Dans Smash, on prend le piment et il commence à cracher. Il devient quasiment un peu incontrôlable. Il fait pas mal de dégâts, il brûle les ennemis. Donc là on est pas mal avec l'ail plus Alucard qui a pas mal de dégâts et le cooldown qui est assez faible d'Alucard de base.
Là, on est bien. Alucard qui attaque avec de l'ice, c'est pas terrible, parce qu'on n'est pas censé le savoir que c'est un vampire. Et mi-homme, mi-vampire. Et pute, mi-soumise. Je boot. Est-ce que je monte mon bouclier? Ou est-ce que. Ah, dilemme. Les trois sont intéressants. Je monte mon shield là. Pour le moment. Voilà. Le power-up de l'ice plus tard. Je voulais pas prendre le poulail. Je me jette sur le power up à chaque fois de chandeleur en pensant que c'est de la thune. Je suis une merde. Ah, là c'est de la thune, je peux y aller. Là c'est un poulet, je ne prends pas. Là c'est de la thune, je prends. Là c'est un autre poulet, je ne prends pas. Là c'est de la thune, je prends. Ouais. Là j'ai deux poulets pour le prix de 1. Allez, la France. Là je peux monter l'ail. Mighty Max. Aïe. Quadruple machin. Là, ça me permet d'aller plus vite, monter les dégâts de base des flammes. On va aller plus vite. On marche plus vite. Voilà. Là, on est bien. Là, en termes de déplacement, on est good. Plus rapide que la masse. Ça permet de récupérer plus d'XP plus vite. La vitesse, c'est pas à négliger. Au contraire. Voilà. Je dis ça, mais je vais peut-être pas prendre la vitesse là. Si, oui, non. Le feu. Est-ce que je peux pouvoir... Le feu, ça fait ses petits dégâts. Ah, ça fait des gros dégâts, même. Oups, la salope. Dégage. J'ai les poulets qui sont en bas. On stack la tour des poulets. On récupère l'XP, ça va vite. Les zombies en armure, qu'on a one shot avec les flammes. Ah putain, là ça me donne trois trucs que je veux pas. Le couteau, le machin, la croix. Enfin, je vais vous montrer la croix, je voulais pas montrer, mais c'est pas ce que je voulais. Même si là ça va tuer le. Connerie. Ouh, dégage. Après, avec mon. Comment dire. Oh, ça c'est pas mal pour aspirer les XP. Il faut le garder là aussi de côté. Plus d'XP, en fait ça permet d'aspirer tous les objets autour de moi. Je pense que l'XP ou les objets, je sais pas. Si je le prends et que ça m'aspire les poulets, ça va me faire chier vraiment. Pourquoi, comme Alucard a un cooldown très faible, on voit très vite la croix. C'est pas dégueu, de rien. Oh, il y a un troisième poulet. Oh, j'ai un troisième poulet. Ok, cette zone, c'est la zone de l'amitié. Quatrième poulet. Ah, oh, là je l'ai pris sans le vouloir. Putain de ça. Le coffre. Faire tout le tour de la question. On arrive. Non. Trop d'acculé. Je sais pas si on peut aspirer le coffre. Non, on peut pas. Avec la sphère, hop. Et ça peut avoir mes flammes. C'est bien. J'ai rendu une bonne flamme pour les dégâts. Pour le moment, pas besoin de prendre ni le poulet ni le truc qui aspire XP. Je reste dans cette zone de l'amitié qui n'est pas une zone de l'amitié, dégage-toi. On la prend cette connerie. Allez, voilà. Je vais booter. Ouch. Ah, j'ai pris le poulet sans vouloir. Putain. Là, je prends tout l'XP, j'en ai rien à foutre. Je vais encore booster le shield. Alors, un bon gros shield as des familles. Ah, c'est bon. En fait, ça prend même... XP qui est ailleurs en fait. J'ai deux poulets en réserve. Les shoots Bruxelles que je one shot toujours. Ah, c'est problématique.
que je monte en dégâts. Clairement, faut que je monte en dégâts. J'ai mes flammes qui font pas mal de dégâts. Mais bon, quand je vais avoir une nuée d'ennemis qui va se jeter sur moi, bonne chance pour cette épopée, comme dirait là. Je peux bouger quand même un petit peu, je suis pas obligé de rester enclavé ici. Enclavé, un mot de la langue française. Tiens donc. Oui, il y a un truc derrière le poulet, je sais pas ce que c'est qui brille. Ah, ce serait pas les flammes de l'enfer là? Ah oui, je crois que c'est les flammes de ouf là. Ensemble là. Oh, je vais monter mes dégâts, merci, c'est ce que je réclamais de tout cœur. S'il y a de la folie, je me jette sur le poulet et en même temps les flammes, je vais tout cramer. Autour de ce piano là. J'ai un bon bouclier. Là, ça se jette sur moi, mais ça mange. Ça mange de l'ail. Ça bouffe de l'ail, de l'ail, de l'ail, de l'ail, de l'ail, de l'ail, de l'ail. Alors, ça veut de l'ail, de l'ail, de l'ail, de l'ail, de l'ail. Ouh, aïe, ouïe, aïe, ouïe, 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 ouïe. J'avais un peu de chill. J'ai morflé un tout petit peu. Mais ça passe par ici. J'ai un poulet là-bas, je voulais le récupérer. Ouh, là, ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue la merde, mon frère. J'ai boosté mon truc. Augmenter ma portée un petit peu. Allez, je dois prendre. Voilà. Ouh, il y a un freeze. Un freeze. Ça a frisé. Ah non. Ah non, c'est bon. Ouh, Kamikaze. Kamikaze Satellite 2. Qu'est-ce que je monte? Fais pas n'importe quoi. La croix. Oh putain, alors là. Itadakimashitane, Naruto-kun. Je monte mes dégâts. Oh bah alors là. J'ai fait un Genkidama EX Alpha Plus 3 Samades. Hop, les flammes de l'enfer. Putain, mais là je me fais acculer. Petit coffre, allez, donne-moi un truc sympa. Oh, un fever. Je les appelle les fever, je sais pas pourquoi. Ok, ça monte ma vitesse, ça monte la croix et ça monte ma portée. Très bien. Ça fait plus grand maintenant. J'aurais bien voulu un petit up de dégâts quand même. J'ai pas mal d'XP à récupérer encore. Hein. Tout ce que j'ai dérouillé là, j'ai pas tout pris. Hein. Je monte mon shield encore. Je vais avoir le meilleur shield de l'histoire. Parce que là, je sens que vous tankez. Je vais encaisser des coups. Bruxelles, on les one shot quasiment. Pas totalement, mais on les. On leur fait pas les dégâts, j'ai plus de poulet par contre. Cette XP à prendre là. Pas négligé. Ouh, dégage-toi. Dégage, saleté là. Ouai. Vraiment, je m'en méfie comme de la peste de ces merdes là qui explosent. Des boucliers, mais j'ai pas tout. Augmente la vitesse de projectile. Ouais, ça va être plus vite maintenant. Oh, les méduses, j'aime pas ça. Les méduses, il y a un poulet là-haut. Non, c'était un poulet ou quoi? Est-ce que c'était en haut? Oh, j'ai frisé le temps. C'est pas mal. Oh, oui, venez à moi. Les dégâts, venez à moi. C'est quoi ça? C'était pas un poulet ça? Je sais pas ce que j'ai pris. J'ai pris un truc. Je crois que c'est un poulet. Je crois que c'est un poulet. Putain, ces trucs, je sais même pas si c'est des méduses. C'est quoi les qui tournent comme ça? Ouais, je fais pas assez de dégâts là. Là, ça fait pas assez de dégâts. Les dégâts de zone ne sont pas assez puissants. Mon shield il a fondu comme neige en Afrique. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je dis ça quand même. Faut faire des dégâts, faut faire des dégâts, faut faire des dégâts, faut faire des dégâts. J'ai pas mal de luck donc faut que je mise sur les chandeliers un peu. Hein. Ici là je vois que les chandeliers m'ont un petit peu abandonné. Alors que c'est un jeu qui se joue à une main. Hein. Se gratter la tête et se gratter autre part. Permettez-moi cette expression. Et jouer en même temps. C'est-à-dire que c'est le cycle analogique, c'est le déplacement du personnage qui compte. Ouf, j'ai morflé un peu.
regarde pas ce que je fais, ça, ça s'est rechargé plutôt assez vite mon shield. Faudrait des chandelures s'il vous plaît, des chandelures. Ah, j'ai plus de shield. Ça, ça se recharge plutôt vite. Je vois plus un seul chandelier. Je fais plus assez de dégâts, je tue plus personne. Il faut penser à tuer là les... Pas se laisser acculer par les enculés. Petit coffre, ça c'est plutôt pas mal. Je vais remonter ma crosse. Voilà. Bof, ça n'a même pas tué un ennemi en armure. Regardez, ça met 3 coups de crosse pour la tuer. Ça c'est bon signe quand ta musique commence à changer. Dire que je suis vivant depuis bien longtemps. Allez, je monte là au niveau 5. Ça fait toujours pas assez de dégâts, ça les one shot pas quoi. C'est lent en termes de dégâts, c'est lent. On n'est pas encore au niveau des bons dégâts que j'avais déjà eu auparavant. Ça a un bon shieldus. Je dis mon record c'est 32 minutes je crois ou 36 minutes, je sais plus. Tue seulement un coffre. On regarde ce qu'il y a, ça monte encore mes flammes, c'est bon les flammes on a compris. Là faut que je les tire plus vite les flammes en fait. Parce que là elles sont assez lentes à apparaître, même si ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait 130 de dégâts, c'est pas mal. Elles pop plus vite. Il faut trouver le gant là qui permet de tirer. Un chandelier, alléluia, de la tuile. Je m'en bats les couilles. Pas tant que ça. Ou les choux-fleurs de la mort arrivent en Razia au bout de 14 minutes. Ouah, je vais crever. Je perds 8 barres. Bar mitzvah. 8 barres. Petite plaque de merde. Why. Putain. Comment que j'ai un shield là hein. J'ai mort. Hein. J'ai pas up ma vie. Attention. Il faut se frayer un petit passage. Là on est au casino du coin, au carrefour du coin. On est dans une file d'attente. Pour se frayer un passage à la caisse. Voilà, merci. On me laisse passer s'il vous plaît. Est-ce prioritaire? Une femme enceinte, bordel. Vous le voyez pas? Je veux passer, pardon. La technique du pardon, excusez-moi. Ah, il y a le bouquin. Oh oui! Ça, c'est beau. C'est arrivé au bon moment, sa petite maman. J'ai plus de chance. Non, plus de dégâts, s'il vous plaît. J'ai eu ça, la crosse, comme dans Castlevania, qui encule un peu tout le monde. Ouh, ils sont pas contents. Les têtes de méduse, ils viennent. Ouah, ah ouais, le jeu m'a dit tu vas mourir. Le jeu m'a dit la tête de homme, tu vas crever. Hop! Dis-moi un truc sympa. Oh oui, c'est ça qu'il me fallait pour tirer plus vite. Ça va pas être assez vite, il m'en faut plusieurs. Ouais, aïe aïe, le jeu il m'a dit la tête de homme, tu vas crever. Allez, tire plus vite. Oh, ça tire rien du tout plus vite. Je vais m'acculer. D'ailleurs, je vais m'acculer. Il y a un petit poulet là, je cracherai pas dessus. Le jeu il m'a dit à un moment donné, là tu commences à nous faire chier. Avec ton Alucard. Fais pas le fou, perdre la vie, c'est tout. Ah putain, ça va être dur là. Je vais pas vous mentir. J'ai pris trop de dégâts et mon shield. Il faut tombeau de zob. Ah putain, voilà ce que je redoute le plus, c'est les fantômes roses là. J'ai pas trop de ça là, les femmes roses non plus. Je crève jamais, c'est merde. Indestructible, j'ai pas de vie, je passe. Et ça passe ça. On tombe sur les ennemis relous et les chandeliers, j'ai l'impression qu'il y a la grève des chandeliers. La grève des cheminots et la grève des chandeliers. Récupérer ce que l'on... Ouf, il y a un chandelier. Oh oui, merci, le poulaille. La polaille. La volaille. Il faut plus de dégâts, là. Même si les boules de feu font un max de dégâts, c'est pas assez. Oh. Poulet plus chou de Bruxelles. On est bien. Chou de Bruxelles.
XL, on les aime bien, les one shot. Ouh, par contre, toi, je t'aime pas, Larissa. Par exemple, très culinaire, comme vous pouvez le constater. Ouh, 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 il y en a beaucoup là, ils veulent ma mort. Le jeu veut ma mort, le jeu veut ma mort, le jeu a dit tu meurs. J'ai power up dans ce marasme. Donc, j'ai le bouclier sur mon personnage. J'ai un peu de, permis de tanker la mourance. La tête de ma mère au bled. On va se barrer d'ici. Si on le peut, bien évidemment. N'essayons pas de XP. Enfin, il faudrait tellement la sphère qui absorbe toutes les sphères là. Tellement de la chance du ramadan. C'est tellement bien. Hop là. Non. Je prends. Et je m'en félicite. Ça c'est beau. Oh putain, ils ont le, leur chef des fantômes sorcières là. J'avais crevé, même si elle prend des 140 de dégâts, frère. Elle va jamais crever, combien ça a de vie cette merde. Voilà, bourre lui le cul, bourre la reine, bourre le roi, voilà. Ah c'est bien, ça pop pas du côté gauche. Ça j'aime bien quand c'est comme ça. On peut se focus. Amen. Hop. Allez, balance la sauce, c'est quoi? Ouais, c'est quoi ça, c'est nouveau. Évolution de la baguette de feu. Traverse les ennemis. Oh, c'est nouveau ça, je l'ai jamais eu. Ça, le feu traverse les ennemis, ça c'est ouf, attendez. Vérifions ça. Oh, oh ouais, oulalalala, Dark Metamorphosis, comme dirait l'autre. Ah ouais, mais là, ça y est, je suis le King of Pop. Ça, attends, calme-toi. Je savais pas qu'il y avait des power-ups de pouvoir. Ah là, je suis prêt à Alucard, parce qu'il l'a fait en plus cette technique, Alucard. T'as les boules de feu classiques, puis t'as les, quand tu charges vers le haut, quand tu fais la manœuvre, il charge, ça fait des grosses boules. Hop là, ça traverse, c'est pété là. Ouh putain, en plus elles font beaucoup de dégâts, donc elles traversent. Regardez. Elles font la fête. Après, si je suis acculé, ça va être terrible. Terrible pour un poulet. Oh, que demande le peuple, sérieusement. Mais c'est la run de ma vie. Oh, je monte le shield au niveau 6, j'ai rien à foutre. Sans le shield, je n'aurais pas été là. Ah, j'ai bien fait de monter les flammes, parce que maintenant j'ai le power-up des flammes. Attaque lance-flamme quoi. Attaque météore. C'est une comète que j'envoie. Regarde, il est pété quand on veut. Hein. Avec l'attaque de l'ail au début. Commencer, évidemment. Et un bon petit shield. Hop, je descends vers le bas. Je monte vers le haut. Je fais mine de descendre et je monte. Ouh le gros lézard. Ouh le gros lézard. Lui j'ai jamais réussi à le battre, hein, clairement. Aïe aïe aïe, pas les connasses qui explosent. On ne vous veut pas. En plus ces connasses, des fois elles pop parmi la nuée d'ennemis. Oh, voilà, les crânes qui arrivent, ça je les ai vus. Ouais, elles pop des fois sur votre gueule quoi, dans le groupe d'ennemis, en plein milieu, toi t'es en train d'attaquer, tu t'éloignes d'une autre. Alors eux ils donnent de l'XP donc c'est pas, ce serait pas bon, petit poulet. On va garder de côté le poulet. On va stagner un peu ici, enfin si on peut. Toujours sous condition je les prends sans vouloir, merci, au revoir. Ne m'en veuillez pas, je suis un con. La vie faite de pardon. Là on est dans un FPS, hein, Danmaku style. Dégage-toi. Toi je t'aime pas toi. Oh. Attaque du signe de feu. Le boss. Regardez combien de dégâts il a. Regardez combien de barres de vie il a cette saloperie. Oh le coffre méga fever. Yeah. Oh putain, j'ai jamais eu ce coffre. Il y en a 3 mais ça a l'air de 3 trucs de ouf. Oh. Ah ouais c'est le Gold. Ah non il y en a 5. Voilà c'est ça, 5. C'est quoi ce coffre de psychopathe? Ah ouais d'accord. Un up pour l'ail. Attendez, c'est énorme. Ah ouais, voilà. Allez, bim, le trèfle. On prend le trèfle. Eh vas-y, le trèfle. Putain, là, il me faudrait le truc qui absorbe tout l'XP. Et là, je suis le King of Pop. Putain. J'ai jamais eu un truc, un power-up aussi stylé. Je vous dis. Et là, je suis balèze, hein. Et là, je suis balèze de ouf. Ce
serait pas ma meilleure run, ça, par hasard, pour aller plus vite. C'est une de mes meilleures runs, hein. Je déconne pas quand j'ai été touché là. Il faut pas être touché tout le temps pour rien aussi, fais pas le con, pas parce que t'as. Ah ouais, mon bouclier devient jaune pisse un peu, hein. Le meilleur bouclier de l'histoire de l'internet moderne. Il était vert cacadois, maintenant il est devenu jaune pisse, ça veut dire attention. Pipi. Qui est du pipi. La meilleure run de ma vie, je crois. Hein. Celle-là, je déconne pas, c'est ma meilleure run. Hein. Et que je sois avec Alucard de Death. Oh, ma meilleure run. Hein. Bon, là, il fait toujours pas un max de dégâts. Mais quand même. Ouh, dégagez. Je dis ça, bah, niveau 7, allez hop, on est des ouf. Je veux le meilleur rail de ma vie. Les sorcières. Voilà, vous dégagez les rouges là. Si j'ai un bouclier, elles font tellement de dégâts que j'ai même pas envie d'essayer. Ouh, on va pas être à côté d'elle. Je sais qu'il y aura une dinguerie à un moment donné parce qu'on m'a pas donné autant de power-up pour rien. Cassez-vous. Ça fait 22 minutes qu'on est ensemble les gars. Pas mal cette run. Pas mal. Si ça je dis rien. Pas mal. Ouh, je suis acculé. Oh, j'ai eu un coffre dans la culerie. Un trèfle encore. Ok, très bien. Laisse-moi m'échapper. Ok, mon bouclier a fait le taf. En même temps, il y a eu un dommage réduit en ouvrant le coffre. Non, je rigole, je dis n'importe quoi. Ah, il est passé vers Cacadois, donc je suis touché. Ouh, là, le jeu commence à me dire. Toi, tu m'énerves. Toi, tu commences à m'énerver. On veut pas voir ta sale gueule ici. Tu fais le fou, tu fais le dingue. On va zigzaguer parmi toute cette stratosphérique. Ah là là. Il n'y a plus de chandelure, hein. Les chandelures, ils ont dit non. Ah, le poulet. Vous pouvez toujours vous apprendre. Qui est pris n'est plus à prendre, je vais pas le prendre maintenant. Faire tout le tour de la question. Il y a un chandelure ici. Sans pas trop se faire enculer quand même. Hein. Enculé. Juste sous les traits de la maladie en plus, je suis fatigué comme je sais pas quoi. Et j'arrive quand même à gérer. Mon business, mon bif. Du bif. Ouh là, le jeu il a dit stop. Là, le jeu il a dit la tête d'homme, tu avanceras plus jamais de toute ta vie. Oh putain. Oh bah. Ah, mais là c'est bon. Le jeu il m'a dit tu t'arrêtes là tout de suite. Regardez. Je fais quoi, eux je les one-shotais pas. Putain, ça me dégoûte, la run elle était exceptionnelle. Ah ben là, le jeu il m'a dit, tu t'arrêtes, hein. Tu t'arrêtes là tout de suite, tu ne fais plus le fou avec nous. On n'est pas tes amis. Voilà, quoi. Oh, j'ai débloqué quoi? Défaite au total, hein. C'est quoi? J'ai débloqué des trucs. J'ai voulu la plaque. Défaite au total. Lion aide. J'ai débloqué. Regardez tout ce que j'ai débloqué quand même, c'est pas mal, hein. Le feu de l'enfer a fait... Voilà, on voit les dégâts des armes à gauche. Feu de l'enfer, c'est-à-dire le crâne là, il a fait 5000... ouais. Attends, c'est combien quand même? Comment qu'on lit ça? DPS 1, 5K. Et 500 000 de dégâts? Non, 508 dégâts et 3000, non? Je sais pas. Temps, en plus, ils vous mettent le temps que ça... Combien de temps je suis resté avec l'arme? La baguette de feu, 18 minutes. L'ail, qui est resté tout le temps sur moi, il est resté 21 minutes. La croix, 17 minutes. Et le feu de l'enfer, 5 minutes. Je suis resté avec. Ok, j'ai survécu 24 minutes, j'ai gagné 1088 d'or, niveau atteint 30, putain, je suis monté au niveau 30, je vous ai dit qu'il y a, comment on appelle ça, il y a un succès où on vous dit d'atteindre niveau 100, je sais même pas ce que c'est, j'ai tué 8244 ennemis, voilà. Et mon personnage s'appelle Arca Ladona, Alucard, faites pas chier, ok, je vais voir ce que j'ai débloqué. Ah ouais, j'ai débloqué ce personnage. Au 800. Obtient des projectiles supplémentaires tous les 20 niveaux. Ça peut être pété, ça, on va le prendre de toute façon. Oh, c'est le panda, quoi. Le personnage Snaps, quoi. On peut power up. On peut power up ça, non. On peut power up la vie, santé max. Ça c'est la vie pour attaquer.
forcément, et un petit peu de guérison. Et c'est parti, on va tenter le cavalo. Est-ce que j'ai débloqué un nouveau stage? Non. Pas encore découvert. Je pense que le nouveau stage, il se débloque avec la mise à jour. Là, à part la bibliothèque et la forêt, je peux aller me faire en QQ, quoi. Allez, le panda, il fait quoi? Qu'est-ce que c'est que cette bombe? Ah ouais, d'accord, en fait, il envoie une bombe. Et... Nani, pourquoi elle a pas explosé? C'est quoi, schnapp, ce panda? Bon, on va y aller, c'est pas mal le cas. Pas compris son pouvoir, lui. Ah, ça a pété. Donc ça pète une fois sur 10, c'est ça? C'est quoi où le projet là? Il est où le projet? Il est où le projet? Donc tous les 20 niveaux, j'ai bien compris, il fait popper un objet. Il a l'air de bouger très vite, mais ça c'est, j'ai upé la vitesse. Son pouvoir, j'ai pas trop compris le... compris son pouvoir au panda. Être panda, ouf, je suis déjà en train de crever, merci. En même temps, ça c'est l'habitude d'avoir un shield et de l'ail. Allez, on bourre la luck pour cette run. On bourre la luck, 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 on bourre. On bourre la luck. On bourre la luck. On bourre la luck. Bourre la luck. Bourre la luck. Donc comme je disais au début de ce stream, le jeu coûte 2,30€ sur Steam. Et je m'éclate dessus depuis à peu près 2 heures de session, vous voyez. C'est une tuerie ce jeu pour 2,30€. Le rapport qualité prix qualité jeu est imbattable. J'ai un jeu comme Horizon Forbidden Moku là. 70€, tu te fais chier, c'est un jeu générique, crypté à la moelle, un monde ouvert FedEx, tu te fais chier comme je sais pas quoi, et tu le payes 80€ sur PS5 ou 70€ sur PS4, et tu te fais chier comme un rat mort. Ce jeu il fait 2,30€, et franchement je me claque comme Jaja. Et y a pas photo, pas besoin de faire des films de psychopathe, pas besoin de... Voilà le monde du jeu vidéo d'aujourd'hui. Où on te met en avant, on te met des 19 sur 20 à des jeux de merde. Je suis curieux combien de jeuxvideo.com ils ont mis. Je suis curieux de voir combien ils ont mis. Je vais voir, hein, je m'y pose, je regarde vite fait sur mon navigateur internet. Regardez ma souris, elle est où? Elle est où la souris là? Oh. Regardez. Tiens. Je sais pas s'ils l'ont noté jeuxvideo.com. Je vais aller jeuxvideo.com. J'ai pas. Horizon Zero Dawn, enfin pas Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden, machin. Là j'ai le test sous mes yeux. Voilà, 19 sur 20. Grand jeu, grande aventure, jeu générique de merde, FedEx mon cul. Et Vampire Survivor. Est-ce qu'il est cité dans le site? Merde, attendez, je suis pas tapé. Enfin, si je tape pas sur le clavier, ça va pas venir. Vampire Survivor. Après, c'est un jeu qui a été beaucoup mis en avant par les youtubeurs Twitchers de mon cul. Donc forcément, ils en parlent. Ah, il a quand même eu 15. Cool, le roguelite addictif qui cartonne sur Twitch. Ce qu'il veut dire graphiquement très simple, bah on s'en fout. Je lis les points faibles. Une interface pas très jolie, on en a rien à foutre. Un nombre de stages limité. Ah, ça oui. Des points forts, un principe simple mais diablement addictif. 2. Un sentiment de puissance grisant. 3. Un titre à très petit prix, 2,39€. 4. Des personnages aux approches différentes. Ouais. Et 5, cinquième point, c'est parfait pour de courtes sessions de 30 minutes maximum. Et qu'est-ce que tu racontes, Jean-Yves? Ça fait 2 heures que je joue. Tu racontes de la merde, frérot. Par son gameplay simple, Vampire Survivor n'est pas un titre qui va révolutionner le jeu vidéo.
Pourtant, son principe très addictif aura de quoi vous captiver pendant des heures grâce à un sentiment. Tu dis, c'est contradictoire. Il dit 30 minutes maximum et après il dit pendant des heures. Ça va. Grâce à un sentiment de montée en puissance continue. Le titre parvient à capter constamment notre figure qui voit la face aux vagues impressionnantes et interrompues. Ininterrompu d'ennemis, quitte à ne plus rien voir à l'écran. Un principe qui si efficace qu'il parvient à faire oublier le graphisme très simple ainsi que son contenu un peu limité, qui s'explique notamment par le très petit prix du jeu. Il ne reste plus qu'à attendre de prochaines mises à jour pour voir si le titre réussira à se faire définitivement un nom dans le genre du roguelike. Bah, il se fait déjà un nom puisque tout le monde en parle. Mais attends, il y a combien de niveaux? Est-ce qu'il y a un troisième de niveau? Je suis sûr qu'il est dans le test. Bah, je vois pas trop. Je crois qu'il y a que deux niveaux. Hein. Eh oui, tabarnak. Bon, bref, il a eu 15, c'est honorable. C'est honorable. Bon, ils m'ont pas déçu. Ça va, 15. Attendez, je vais fermer ça. Hop, on s'en fout de leur site à con. Bon, je vois que le stream de Facebook, tout le monde s'en fout. Il y a eu MP qui a eu 5 minutes. Et s'en est allé. Voilà. Je vais repartager mon stream. Petit bonheur à la chance. Ferme, on met ça là. Hop. Maintenant, tout le monde s'en bat les steaks de ce que je. Ouh là, j'ai tout biaisé. Ah, la maladie, j'ai tout enculé. Est-ce que j'ai enculé le machin quand je fais ça? Non, c'est bon. Hop. Et c'est reparti pour Monsieur Panda. Donc ouais, 15, c'est une note honorable, hein, dans le sens où le jeu est sympa. C'est quoi, Chéri Bombe portée à 1, puissance de tir? Je vais voir ce que ça fait, ça. Mais le tir, elle explose aléatoirement, j'ai l'impression. Elle rebondit et paf, non, elle explose aléatoirement. Dommage, j'aurais bien voulu qu'elle explose tout le temps. Un petit peu bizarre. Le panda, quoi. Le panda. J'ai arrêté le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Après ça, j'arrêterai. Je vais faire une petite pause. Je me sens un peu fatigué. Je me cache pas. Oh, full luck. J'ai encore pris la luck. Ça va être une session full luck. Après ça, je vais m'arrêter. Je vais aller me reposer un peu. Je vais aller manger un petit truc. Parce que je suis vraiment. Oui, quand je vous dis que j'ai des coups de barre, je suis vraiment. Je me sens fatigué, malade. Allez, conneries. Quand je parle au vent. Au vent. Paf, ça fait des chocs à pique. Ouais, ça fait même pas beaucoup de dégâts en plus quand ça explose. Et après, peut-être que ce soir ou tout à l'heure, en fin d'après-midi, je streamerai le jeu sur YouTube. Il y aura peut-être un peu plus de monde. Allez, balance ta baballe. Explose. Ah. Je crois qu'elle explose quand on est entouré d'ennemis, la balle. Hop, je balance plus d'objets, là. Ah, j'envoie deux baballes. Ah, c'est peut-être intéressant, hein, deux balles. En fait, c'est ça, le délire avec ce perso. C'est plus t'envoies des balles. Vas-y, t'envoies 5-6, là, pam pam pam, elle explose de partout. Ça peut être sympa, hein. Aïe. Ce qui est chiant, c'est qu'elles explosent pas tout le temps, en fait, les balles. Hop. Allez, plus de chances d'exploser, je crois, j'ai lu. J'ai appuyé trop vite. Oh, ils ont 50% de plus de chances d'exploser. Ça, c'est vraiment bien. Ah ouais, elles explosent beaucoup plus. Ouais, ouais. Oh, ouais, on voit ça. Elle rebondit sur les ennemis. Quand je suis accueilli comme ça, par contre là j'ai fait de la merdasse.
toujours pas tué de boss. Aïe. Oh putain, mais je fais de la merde. J'ai l'impression qu'il a quand même une grosse hitbox pour moi. Oui, friser le temps plus les bombes, ça peut être sympa. Freeze the key. Bien. Bon, ce qui est relou, c'est qu'on peut toujours pas cibler l'attaque parce que ça rebondit, donc le chandelier, je suis dans la merde. Il faudrait un petit peu d'ail. Je voudrais d'ail un petit peu là pour que je sois opti, parce que là, si je me fais rafaler ma tente, je suis dans la merde. Ils se jettent sur moi, les ennemis là. Je suis Keblo, je suis Keblo. Dégage-toi. Hop, je fais rebondir les balles sur le mur du bas pour les faire remonter. Stratindé. Oh, troisième. Ah, j'en vois trois là. Là, c'est la fête. Là, c'est Arcanoïde. Ah, le petit coffre. J'ai monté ma luck, j'espère qu'ils vont pas me décevoir. Ouais, un petit coffre fever là. Avec 3. Ouais, hop. À 5 peut-être. Attendez. Ça a l'air d'être un coffre à 3. Ah, attends. Oh, j'ai monté ma luck. Ah ouais, ça va être une full luck celle-là. Ah ouais, je suis à combien en luck là? Mourir, messieurs, mesdames. Ouais. Hop, on change combien? J'ai plus 40%. Là, oh, j'ai la montre qui permet de bloquer le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Et après cette run-là, je vais arrêter. Mais je vous montrerai peut-être, ou je vous ferai écouter... Oh, il y a un coffre là-bas, j'avais même pas remarqué la flèche. Je vous montrerai la vidéo. Putain, j'ai pris l'explosion, regardez les dégâts que ça m'a fait. Oh la saleté. Je suis pas concentré alors que j'ai une putain de run. Je vous ferai écouter la vidéo de Thierry Henry quand il parle du temps, c'est tellement savoureux, tellement c'est de la merde. Kiff, ok. Voilà pour le blocage du temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Oh oui, le feu du loup. Du loup. La cucaracha. Je brûle tout. Tire un projectile de plus. Oh, je vais balancer des boules. Bon, allez, balance plus de boules. Ah, ça bouffe. Deux poulets plus le feu encore. Et que demande le peuple? Les gens ne veulent pas que je meure. C'est la luck, ça. Ah, c'est la luck, ça. La chance du ramadan, les gars. Ah, vous êtes même pas au courant de ce que c'est que la chance du ramadan. Ah là, ça va faire un feu d'artifice. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en guerre. Bon, la guerre en garde à vue dans les cases de la police. 9h, 11h, passe, le nom est sur le tas, j'ai fait 6 pas. Dans l'enfer des galères, la poisse. Oh putain, chambre du passé, ça y est. Je touche pas en cacao dans ma tête. Portée de base, plus 25%, dégâts, plus 5. Ah, mais là, c'est Babal Land. Là, c'est... Double Land. Par contre, j'ai pas de shield, j'ai pas d'armure. Je balance des bouboules. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Allez hop. Et j'ai la luck du ramadan. Par contre, faut que je mise bien d'envoyer les balles. Regardez, je tape vers le bas, ça monte vers le haut. Ce pouvoir de la randomisation, plus la luck, ça peut faire bon ménage. Paf. Chaque run est intéressante. Au début, ça peut paraître cracra moisi, mais... Que nenni, mes bons amis. Je tire vers le bas pour les faire monter, vous avez compris le délire. Oh, il y a un petit poulaille. Petit poulaille, Julai. Petit coffre aïe. Hop. Oh oui, ça c'est la luck, ça. Allez. Encore plus de luck, t'imagines, j'ai 3 trèfles là, bam. Oh, j'ai eu un trèfle dans l'histoire, ça va monter les flammes, mais j'ai eu un trèfle. On est bien. La run de la luck. Allez, je monte. Ah putain, il y avait là et je l'ai pas pris, quel sac. J'ai monté les dégâts, bon, tant pis. Je n'ai pas pris l'ail. Aïe, j'ai pas pris l'ail, j'aurais dû. Aïe. Oh, là, je suis là. Dans la merde, Dimitri.
Allez, monte ton XP, frère. 60% d'explosion. Plus de chance d'exploser les balles. Ah là là là, je morfle, le poulet. Il y a un truc derrière lui, je sais pas ce que c'est, le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Allez, pète leur le cul là. Allez, les échanges. On est attaqué. Oh putain, la putain, la rive, elle va exploser dans ma gueule. Faut que je XP. En plus, j'ai pris tout l'XP qui est là. On va augmenter ma santé max. Je suis obligé de prendre des trucs de santé parce que là, je suis dans la cafa de santé. Allez, barrez-vous. Laissez-moi jouer. Portée de base 1. Puissance de tir de base plus 30. Putain, mais c'est énorme. Le gros dégâts. Zone, putain, c'est pas dégueu là. On commence à faire des bons dégâts de zone. Ouais, la balle elle a grossi. Je sais pas si vous avez remarqué, les balles ils ont grossi un petit peu. Oh, putain, monter encore les dégâts. Réduit le cooldown, c'est à dire que je les tire plus vite. Non, les dégâts. Oh, plus d'explosion. Il y a un coffre kiné. Ouh, j'ai vu gars. Ça monte encore plus mon XP, allez hop. Là je prends un poulaille. C'est clair, net et précis, j'ai pas douté. Si ces enculés de chou-fleur ils décident de m'enculer, je suis dans la main. Si m'envoie une razia là comme tout à l'heure, là je suis dans la main avec Alucard là. Oh putain, les méduses. Oh la méduserie. La mézouza. En plus j'ai une mézouza. Oh le poulet, merci. Ça peut être 14 juillet. Ça, je sais pas ce que c'est de l'argent ou c'est de l'argent. Deux pièces collées dans une. En plus j'ai une mézouza. Oh putain, je pense à l'autre connard de du cul de merde là. Oh putain. Franchement que les explosions font pas mal de dégâts. Ouais. Ah, c'est le 14 juillet les gars, je vous le dis direct. Ça part en feu d'artifice land. Aïe. Je regarde mon perso là, je suis de la merde. Focuser sur les dégâts que je faisais. Mais... un poulet, un bouclier, un machin bidule. J'en ai tué tellement mais je prends pas l'XP, c'est ça le problème. Elle me laisse pas, elle laisse moi. Elle laisse moi, moi je te le dis. Et toute cette XP là. Oh oui. Laï. Où je monte les dégâts? Non, j'ai assez de dégâts. Laï. Un peu de laï. Petite laï. Même si là, c'est le laï de base. Hein. C'est laïoli. Et au moins, j'ai quelque chose autour de moi qui me protège. Au moins, qui fait des dégâts nous. Des dégâts nounés. Allez, faites-moi tout ça, là. Il y a le coffrinier. Allez, vas-y. Hop, encore plus d'XP. Activement, mon XP, je crois que je récupère un truc là. Ça, je le néglige souvent, mais c'est ça qui me bloque à chaque fois parce que à un moment donné, je peux plus monter d'XP, j'ai l'impression. Il faut beaucoup trop de gemmes pour monter en XP. J'ai envie de coincer pour monter au niveau 100. J'ai jamais arrivé au niveau. Faut pas dépasser niveau 50. C'est à cause de ça. En fait. Un petit poulet serait le bienvenu. Je dis ça, je dis rien. En même temps, à un moment donné, les chandelures là. Hop, je dis ça. C'est dit, c'est annoncé, c'est fait. Voilà, merci, au revoir. Je veux rien savoir. Grosse dose dès le départ, MC, toi et moi, trop de choses qui nous séparent, ok? Faites pas les fous, faites pas les dingues. Dégâts de 5, plus 5, portée de base, plus 25. On va monter l'ail. Voilà. Je vais monter les balles. Ce sera pour une autre fois. Les balles sont assez puissantes, je trouve, pour le moment. Je vais le regretter un jour ou l'autre. Ah oui, aspiration de la vie, de la mort, de mon cul. Dégâts de base,
tout, sur toutes les armes. Plus 10. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. L'Aioli. Ah, ça c'est pas mal, ça, le pentagramme qui encule tout, mais qui est un petit peu random. Ouais, allez. Ça encule tout, et en fait, ça, c'est pas juste une fois. Attendez, on m'appelle. Excusez-moi. Pas mal cette petite run là. Oui, je disais. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, l'explosion là, le truc qui tue tout à l'écran. C'est pas un truc qui est unique. En fait, ça peut revenir. Bon, là, je l'ai pris qu'une seule fois, donc ça va mettre du temps à revenir. Mais ça pourra me sauver de moments très périlleux. Par exemple, quand je suis très en danger, que je fuis, ça peut enlever pas mal d'ennemis autour de moi. Ça enlève pas tous les ennemis non plus, faut pas déconner. Si je peux bien le monter, ça reviendra assez souvent quoi. Là déjà c'est le couscous, tu vois, c'est le couscous au souffleur. C'est les petits pois. Ah ouais. Là je suis biaisé. Comme un petit marcassin. Ouh, je suis en train de... Faites un truc les gars, faites un truc. Ah, putain, heureusement que les explosions sont là. Allez hop, merci, au revoir. Oh, j'ai fait crever. On zappe. Ça manque mon oignon. C'est un ail, c'est pas un oignon. Et ça a la gueule d'un oignon. Je suis désolé. J'ai oignon tout le temps. Le petit poulet. Un poulet. Oh, allez, les explosions là, autour de moi. Allez, pétez. En fait, quand je m'accule comme ça contre un mur, ça pète. Donc, c'est bien, ça me protège les explosions. Ça, c'est stylé ça. Ça, c'est stylé de chez stylé. Je peux rester comme ça, acculé, et ça désingue pas mal de monde, parce qu'elles font pas mal de dégâts, mais bon. Oh oui, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Allez, tiens, on monte encore les bombes, rien à foutre. Oh oui. Regardez-moi ça. Alors là, I am the king of the best. Et dès qu'il y aura une ruée sur ma gueule, je peux m'acculer comme ça, les bombes ont bien grossi. Faut que les boss faire attention, parce qu'ils meurent pas du premier coup, c'est saleté. Le cooldown. De la merde. Ah, allez, pète, Martine, pète. Oh, il est pété en fait, le. Mais c'est pété ce build. Faut qu'on ait acculé. Plus de dégâts. Plus de fraîcheur. On se barre à l'UM. Vous voyez, je monte plus trop en niveau. Il y a un freeze. Ne me dis pas que ça rend up. Pas grave, ça va. C'est parce que le jeu est installé sur une disque dure de merde. Voilà, merci. Sculpture externe qui fait très peu de taille le jeu. Hein. Oh, le pentagramme, mon pote. Voilà. Je ne veux pas savoir. Oh le shield. Oh le penta. Oh oui. Hop. Je suis déjà niveau 32. Hiver, hein. Ça manque mon oignon. Où je la sens bien cette run. Faites pas les cons, faites pas les fous. Oh le shield! Je vais monter. Petite armada de bombes. Au début, je me foutais de ce panda, mais le panda. J'ai l'impression que le panda, c'est la vie. Attention, j'ai pas eu encore les sorcières. Hein. En fait, vu qu'ils apparaissent avec le temps, voilà, elles sont là, les sorcières roses là. Elles avancent avec le temps en fait. Et là, j'ai bien power up avant qu'elles arrivent dans le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Oh le pinta. Oh le shield. Hop. J'ai des doubles power-up des fois. Est-ce que ce serait pas à cause de ma luck de ouf là? C'est la run de la luck en fait. Le Shakhtar Donetsk. C'est ça là. Allez, mes bombes font pas mal de dégâts. Hein. Faut pas déconner. Il la fait pas, tu me connais. C'est tout ce que je te reconnais. Ah, dans votre gueule, les petites mémés. Regarde-moi ça. La chance du ramadan. Oh putain, mais franchement, je les nique plus vite qu'à Lucard, on est bien d'accord. Hein. Les bombes, c'est la vie. Je les ai tellement montées en DPS. Allez, les choux-fleurs arrivent. Je me fais acculer en plus. Là, j'ai le shit, j'ai l'oignon. J'ai l'ail.
tête dans la main, je vais l'appeler l'oignon tout le temps, rien à foutre. Par contre, ça, j'aime pas ça. Oula, vous barrez, s'il vous plaît. Oh, voilà, le pentacle qui est arrivé. Au pif, je vous ai dit, hein. Ça, ça peut être très salvateur si j'ai un problème. On va prendre ça, ça permet de monter l'XP plus rapidement. Ou peut-être dégager le côté, il y en a deux, une sur l'autre. Et c'est arrivé au pif. Ne demandez pas pourquoi ni comment. Peut-être qu'il y a une. Situation. Faire popper le pentacle là. Là. J'étais pas trop en danger, mais imaginez, je suis en danger, ça pète. Et comme j'ai pas mal de luck, peut-être que voilà quoi, je me dis que. Que voilà quoi. Voilà. C'est ma plus belle run ça là, je déconne pas. Hein. Je ne déconne pas, zéro, le panda c'est la vie. Le pentacle. Bien monté. Pentagone, je sais pas ce que je dis. Oh, le poulet, je voulais pas le prendre, j'aurais bien fait de l'économiser. Quel sac. Il faut une sphère qui absorbe toute l'XP là, ça va être pété. Franchement, en 18 minutes là, c'est ma plus belle run de l'histoire. Hein. Les bombes, c'est la vie. Hein. Sphère de mon cul. Comment dire les bombes là. Pas assez d'XP là. Ah, je monte quoi là. Le shield peut-être. Non, non, l'XP. Je monte pas assez vite là, il faut que je monte encore plus en niveau. Allez, monte encore ton XP du coup. C'est la meilleure run de ma vie, quoi. Oh. Voilà, le pentacle qui est arrivé au bon moment. Le pentagone, pentacle de mon cul. La montée des boules de feu, c'est gratuit. C'est... Hop, là, je vais boot. 65% de chance de tout. Alors, j'ai 65% de chance. Allez, hop, on reprend le pentacle, là. Plus la luck, là, j'espère que ça va cumuler. En plus, si vous savez dans quel état je joue, je suis éclaté. Cooldown réduit. Je vais baisser le cooldown. Comme ça, je vais balancer plus vite les trucs. Jamais été aussi loin. Oh putain, j'ai des soldats là. Le panda. Le panda de la vie. C'est le panda. En plus, ça les repousse les bombes. Ah mais si je reste coincé contre un mur comme ça, je fais rebondir les bombes et c'est fantastico el famoso. C'est la vie, putain. Vous restez comme ça, prends l'XP, connard. Connard, va. Bah. Je vais l'autre. Famoso. Je prends pas assez d'XP, il faut un pouvoir qui aspire toutes les... Allez, le pentacle de la vie. Ils vont se jeter sur moi, rappelez-vous. Hein. Rappelez-vous de ce triste passage avec Alucard. Ah, le squelette arrive. Ça veut dire que ça a commencé à rusher ma gueule. Bam, bam, bigelot, bam, bam, bigelot. Mon XP ne monte plus assez vite. Hein. Mon XP ne monte plus assez vite. Je tiens à le signaler à la commu. Là, il y a un petit poulet. Regardez, en ce crédit. Le gros boss verdâtre qui est arrivé. Mon XP, elle met 100 ans à monter. Ah, cassez-vous. Il y a un petit paquet d'XP. Oh, le pentacle de la vie. Oh, le coffre Fever. Le Pachinko. Là, on est en Pachinko style. J'ai pas envie de... Quand c'était une animation comme ça, j'ai pas envie de l'accélérer. Oh, putain, il y en a 5. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est... Oh, c'est jouissif. Tintin, je monte un peu ma barre de vie. Je monte. Putain, ils m'ont EP le truc pour friser le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Ok. Ouais. Oh, j'ai frisé tous les squelettos. Ah, en plus, ça se cumule bien. Ça se fusionne bien avec les bombes, le frise du temps. Oh, putain, il y a un rôti. C'est quoi? Il y a un poulet et un gros rôti. Je savais même pas que ça existait, le rôti. C'est ça que j'avais vu tout à l'heure, en fait. On n'a pas le temps pour le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps, on vous a dit. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain, là, c'est magnifique. Oh, putain, il manque juste le truc pour aspirer l'XP. Là. Faut que j'aspire l'XP.
se passer. J'ai du soin, j'ai des pouvoirs, j'ai de l'XP, j'ai la vie. Je récupère cette gomme. Oh putain, en plus j'ai ça. Le pentacle de la vie. Alors là, je sais plus quoi monter. Ça, on a bien monté le frisage du temps, les boules de feu, la santé max. La santé max, comme ça, on pourra se soigner plus tard. Je vais prendre le poulet. Ça, je la monte, la santé max. Je prends pas le rôti. Voilà. Je suis tellement resté longtemps, à un moment, la musique a changé. J'ai des versions longues de 15 minutes, c'est-à-dire qu'on est passé... Oh, il y a deux poulets. Je vais garder de côté pour l'aller. Mais c'est pas fini, hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, ils sont venus, les blancs, là, les roses, les fantômes, là, ils sont venus en razzia, donc... ça veut rien dire, là. C'est pas fini. Non, pas le rôti. J'ai pris le rôti, espèce de sale merde que je... Ah, j'ai envie de me tarter, voilà, ils arrivent les fantômes roses là, les sorcières, c'est des sorcières roses en plus, sur un balai de sorcières. Ok, je monte mon shield, ça c'est pas mal. Donc le pentagramme de la vie, je monte encore mon shield, j'en ai rien à foutre. Putain, mais j'ai combien d'XP, ça c'est la chance. Ah, je monte mon shield encore, j'ai monté mon shield au maximum de la vie. Mais combien je monte d'XP là, c'est un truc de fou. Le cooldown, allez hop. Il y a un coffre là-bas, on l'a vu. Allez, coffre fever. Ok, mon cooldown, il est au maximum de la vie. Allez. Faut pas les tepus. On est là, on est bien. Je repousse bien les ennemis là. Allez, là il y a un poulaille. Je monte ma barre de vie moi les gars. Là on rigole plus là, on est plus des. Je vais rebondir mes bombes sur le mur du bas. Putain là c'est la meilleure run de ma vie les gars, je vous jure. Ne plaisante pas. I don't joking. Et je porte un jogging. Mon poulet est toujours aussi magnifique comme vous pouvez le constater. Il y a deux poulets là-bas. Regardez comment ils se posent de plus en plus vite. Mais là je suis intestable. Regardez. Forever. Regardez l'explosion. Explosion infinie. Regardez. Ah mais là je suis intestable. Chesto là. J'ai craqué le jeu. Ça y est. J'ai brain le jeu les gars. Infinito. Ah, la tête dans la mer. Le but c'est d'arriver au niveau 100. Là je suis niveau 46, j'ai jamais atteint ce putain de niveau. Infini. J'ai brain le jeu, le coffre. Power up, l'oignon. Tu sais c'est un eye, j'avais dit quoi tout à l'heure. Allez. La luck plus ça, c'est la vie. Je monte ça. Allez hop. Mais là c'est intestable, intesto. C'est Fred Testo. Alors là, je suis intestable. L'intestabilité elle-même. Alors, faut pas trop présumer de ses forces. Là, eux, ils m'ont pas encore rushé, hein, les gars. Sachez-le. Ils rushent, hein, ces saloperies. Vous le savez très bien. On l'a vu tout à l'heure. À un moment donné, ils vont me rusher la gueule. Voilà, ça y est, le rush, il est là. Il a le jeu, là, il commence à me dire stop. Stop, là, tu t'es trop amusé. Tu t'es trop amusé avec nous. Je joue pas avec nous, Glaoui. Et moi, je lui dis, fais pas le don. La vague des supporters allemands, on vous dit. Ça pète dans tous les sens. Oh putain, je suis intestable. Mais on fait pas le fou, il y a une marée humaine. Les supporters allemands sont là. La Bundesliga, je sais pas pourquoi je parle des Allemands d'un coup. Ne me demandez pas pourquoi. Oh le panda. Il résiste. Il prouve qu'il existe. Son destiné. Putain, les vagues interminables. C'est-à-dire que là, avec Alucard, à n'importe quel but que je... Putain, tous les cristaux qui sont restés bloqués dans la bibliothèque, par contre, ça me fait mal au cul. Oh là là. Résiste. Oh putain, Witch of Shoritz. Oh, c'est quoi ce gros fantôme? Il y a le fantôme de la vie là-haut. Je sais pas c'est qui. Il faut que je me barre. Je sais pas. Deux fois. Oh putain. Le jeu il m'a dit t'arrête de jouer. Il faut que je fasse l'invocation. Il faut que ça, le pentagramme arrive. Le pentagone. L'armée du ruban rouge. Voilà, merci. Oh, et ça l'a pas tué. Mais le jeu veut pas que je joue. Le jeu ne veut plus que je joue. Le jeu ne veut plus.
Le jeu ne veut plus. Qu'on s'amuse. La croisière faut l'amuse. Ouais, maintenant il y a que des ennemis terre à terre, quoi. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. J'ai pas eu le temps de prendre mon poulet. Alors là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Oh, c'est passé avec le shield, mais je vous jure. Je vous jure que je suis pas fier de ce qui se passe. Le jeu ne veut pas. Le jeu n'a pas voulu. Le jeu ne veut pas. Là. Le jeu ne veut plus. Oh, le pentagone. Ouais, mais le jeu ne veut plus, là. Le jeu ne veut plus, frère. Le jeu ne veut plus. Oh oui, ça me fait quoi? Ah oui, ça monte mes boules de feu. Voilà. Ça fait des boules de feu du... Satan. Oh, c'est une dinguerie. Je suis niveau 50, mais c'est une dinguerie. Ah là-bas, il y a le livre du destin. Qui est tome vierge, prendre. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. C'est des médusas de partout. Je suis jamais arrivé jusqu'à là, je suis niveau 50. Je prends tout l'XP là, il y a pas un... Il me faut l'item qui absorbe tout l'XP là. Oh putain, si j'ai ça, je suis l'homme le plus terrible. Fou de la terre. Oh, allez. Putain. Oh là là. Le pentagone. Le petit coffre. Allez, c'est quoi? C'est un coffre fever? Non. Ça augmente ma part de vie, ok. Je crois qu'on a brain le jeu un petit peu, les gars. J'ai qu'un seul truc maintenant. Vous montez votre chance. Ok, je peux plus monter autre chose. Je crois que là, on a atteint les summums de la sommité. On m'a proposé un truc. D'habitude, on me proposait trois. Je crois que je suis au max au niveau des autres trucs. Maintenant, c'est moi et ma chance. Le poulet que je voulais prendre tout à l'heure, il a disparu de la population. Je sais pas où il est. Maintenant, il me faut juste un item qui absorbe. Surtout l'XP là, parce que l'XP que je loupe là, je suis resté bloqué au niveau 50 depuis tout à l'heure. Oh putain de... Oh ouais d'accord. Vous voulez pas qu'on gagne? Le jeu il m'a dit t'arrêtes de jouer. Eh bah écoutez, pentagramme. Oh, les vagues successives de monk. Ok, je monte mon truc pour friser le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Oh putain, je ne vois plus rien. Ah, mon panda. Bob le panda. Allez. Pas le fou, fais pas le dingue. La plus belle run là. Oh, j'ai frisé tellement de merde. Allez, pète, il faut que je me barre. On les a acculés comme des enculés. Les deux enculés, ils vont me payer ça. D'ailleurs, on a vu un boss bizarre que je connaissais pas. Oh, merci. Heureusement que j'ai ce pouvoir là. Un poulet rôti. Ah, maintenant il me file de la thune ou un poulet rôti. Ajoute 25 à votre total de pièces. Oh, tu vas me filer du poulet rôti, moi je te le dis. Ah non, il me donne plus de power up. Hein. C'est démarre-toi, frère. Ah, on va s'en mêler, frère. On va s'en mêler. Oh là 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 là, le bordel. Oh le bordel, les deux enculés, ils vont me payer ça. Mais comment on monte au niveau là? Je suis bloqué au niveau 50. Sérieux, il y a un problème. Oh putain, ils m'envoient les sorcières bleues, rouges, vert, je vois les bleus. Dingue, ça fait 30 minutes presque qu'on est en train de jouer. Et j'ai jamais été aussi puissant, aussi balèze. Là, j'ai un boss. Faut le truc pour absorber l'XP là. Faut le pouvoir pour absorber l'XP. Et le coffre, c'est quoi? Ah, ils vont me donner quoi, de la thune? Bah oui, il y a plus rien, ils me donnent plus rien, les gars. Et ils veulent plus. Le jeu, il m'a dit, tu t'amuses plus. Maintenant, c'est fini. T'as brain le jeu, tu vas te faire enculer, Philippe. Oh là 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 là. Oh, le pouvoir du panda, le panda. Par contre, je laisse tellement d'XP dans les bibliothèques, faut que je me déplace. Panda. L'air de rien, le panda. Au début, cracher dessus. Au final. Voilà. Le poulet. Je vais prendre des thunes, hein, maintenant. Le pentagone. Voilà, marée humaine. Un concert de Céline Dion, sérieux. Prends des thunes maintenant. Je suis fini. Oh merde, par contre, ne m'amenez pas les rougeasses. Ah là, ils veulent pas. Là, il y a toujours pire, à mon avis. Ouais. Ah ouais, il y a pire. Ah ouais, il y a toujours pire. Qu'est-ce qu'on fait là, les gars? Parce que bon, je veux bien. Je veux que la thune, hein, parce que je suis encore full vie. Mais là, bonjour la France. Ici Paris. La thune, hein. Prends la thune. On a des thunes, des armes, des connaissances. Mais là, le jeu il veut plus. Là, le jeu il m'a dit, tu vas te faire enculer, mec. Et ils vont m'envoyer que des boss. Je prends les thunes au max, hein. Je sais ce que je crève parce que je sais que
On va pas tarder, je suis niveau 60. Ah mais là, regardez, on peut plus bouger. Ça veut rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Snap Shiland. Je me ferai un chemin dans le public. Je freeze à tout va. Là je fais des cercles hein, avec le joystick. Hein. Hop là, merci. Oh le Satan. Satan. Poulet. Satan il veut pas me laisser. Ah Satan il m'a dit tu joueras plus. Oh j'ai tué Satan. Non ? Ah il meurt plus. Satan petit cœur ne meurt plus. Ah quoi, il n'y a plus personne. Il y a plus personne. Oh putain, et Satan il veut ma mort hein. Satan il veut ma mort. En fait là ça y est, j'ai brain le jeu. Donc maintenant c'est entre moi et Satan. Entre moi et la mort. Comme dans Castlevania. Là le but c'est de monter en niveau. Mais... D'accord. Ah la maladie. Oh je prends des tuyaux. Oh, mais j'ai brain le jeu ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le panda, j'ai fini le jeu en fait. Ah il me colle. Faut que j'atteigne le niveau 100 là. J'ai pris du poulet, je voulais pas le prendre. Ah d'accord, la mort ne meurt pas. En même temps, c'est un petit peu logique quelque part. La mort ne peut pas mourir. Mais je la brain en fait, je la freeze avec le temps. Oh ça y est, j'ai brain le jeu. J'ai brain le jeu à 2000%. Je suis niveau 80. Regardez tout l'XP qu'il y a là. Oh il y a double mort. Double mort. Ah ben là ça y est. Il veut même pas friser la mort. Frisez-moi la mort. Ah je suis mort. Niveau 80. Ah ben il y a deux morts s'il te plaît. Attends. Tu veux faire quoi? Il y a double mort. En fait là le jeu il m'a dit c'est fini. Là tu... Non pas de niveau 100 mais niveau 80. Et là ils arrivent au niveau 100 quand même. Voilà, ben j'ai fini le jeu, on peut le dire. Hein. Là, clairement, j'ai fini le jeu. Oh là là là. Éliminer Nesferati dans la bibliothèque marketée. Débloquer hyper bibliothèque marketée. Ah, j'ai débloqué la hyper bibliothèque marketée. C'est tout ce que j'ai débloqué en plus. Survécu Max. Ah ouais, voilà, c'est la Max. Max. Il y a écrit Max. C'est-à-dire que j'ai. Là, j'ai enculé le jeu. Oh le panda. Regardez-moi cette build, retenez-la bien. Bombe niveau 8, luck niveau 5, projectile niveau 2. Putain, j'ai brain le jeu. Yata, bah en même temps, il porte pas son nom pour rien. Yata, comme tu dis quand elle a gagné. Yata Cavallo, Cacavallo. Oh là, j'ai brain le jeu. C'est tout, je veux rien savoir. Terminé. On va voir ce que j'ai débloqué. Oh putain, la plus belle run. Hein. Je peux pas faire. Je crois que je peux pas faire mieux. Voilà. Je l'ai faite avec le panda. On va changer de musique. J'ai 2700 pièces quand même, c'est énorme. Commencer. Le panda. Okay. C'est quoi? Ah, hyper? C'est quoi hyper? Comment on fait pour hyperer? Attendez, déjà, on va regarder les power-up. Est-ce que je peux monter le dernier power-up de puissance? Yes! On va essayer de se monter un truc de dingue comme build. Là, ça coûte 9000, c'est trop. Ça coûte trop cher. La luck, les gars. La luck. Attendez, on va reset le remboursement. On va monter la luck. La luck, on a vu ce que ça faisait. Ah, j'ai 3 niveaux de luck au max. Et les dégâts. Le reste, ça va à la science. Le reste, j'en ai rien à foutre. Vous avez vu les dégâts que je faisais? C'était n'importe quoi. J'ai brain le jeu en fait. J'aurais pu monter un peu plus. Hein. Mais là, à un moment donné, j'ai 2 morts. Je peux rien faire. Quoi. Il y en avait une. Déjà, elle n'arrivait pas à me toucher. Mais alors, la deuxième. Attendez, si je fais Cacavallo. Et là, je prends Cacavallo, mon pote. Voilà. Mais ça, c'est quoi en fait? Hyper. 50% d'or bonus, 10% de chance. Non mais ça fait quoi? C'est genre, c'est plus dur? Ah ouais d'accord, ça va beaucoup plus vite. Hein. Alors là, il rigole plus. C'est le niveau hard en fait, ok. Un bouclier. Contre-pause, parce que là la musique elle va me rendre dingue, c'est juste une boucle infinie. Voilà, merci. Là c'est beaucoup plus dur en fait. Hein. Je dis que j'ai arrêté, putain la maladie de ce jeu. L'addiction de ce jeu. Là, au début, quand tu prends le panda, ça pue la merde. Hein. T'as l'impression de jouer avec mon Hulk, quoi. Mais franchement, avec la build que j'ai fait tout à l'heure, je respecte le panda à vie. J'en ai rien à foutre. Le panda, c'est la vie. Cavallo, il attaque à Cavallo. Donc j'imagine que là, on se fait toucher, on perd beaucoup plus de vie. Ah ouais, au début, c'est Galerland, le panda. Tu multiplies les trucs, ça devient intestabilité elle-même.
bien le EP, la bombe, faut la EP de ouf. Là, moindre up de la bombe, je prends. Ah, le pentacle, le pentagramme, là. Je sais pas quoi, là. J'ai vu qu'il m'a aidé à plusieurs reprises, hein. Donc c'est pas à négliger. C'est pas du tout à négliger le pentagramme. Même si ça paraît random au début. Le pentagramme, il peut vous sauver des miches. Vous l'avez bien monté. Aïe 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 aïe. On aurait bien poulé à un moment donné. C'est vrai qu'au début le panda c'est notre folichon, en plus il explose pas tout le temps, tu te dis et tout. Après quand tu dépasses les 60% d'explosion sûre, là t'es yamb. T'es yamb. Waouh. Ça a l'air plus dur que ça en fait, c'est juste que là avec la bombe unique. Le panda c'est compliqué à eux. Même si il est rapide déjà le panda, ça c'est pas mal. Pour s'échapper des conneries. Allez explose là, putain il a jamais explosé. C'est vrai qu'au début le panda tu galères, mais... ça c'est pour permettre d'absorber l'XP, ça c'est plutôt pas mal. Putain on a perdu pas mal d'XP tout à l'heure quand elles étaient dans les bibliothèques en bas, on pouvait pas traverser le sol. On va monter... Bon allez ça tiens, ça va prendre l'XP. Être un peu plus proche, d'être un peu plus éloigné pardon des XP et de pouvoir les récupérer. Par contre là, si je monte pas assez vite de bombes de feu, ça va pas le faire. Hein. Attention. À un moment donné, je prenais que de la thune. Hop le pentacle, voilà, aucune XP. Ça c'est beau. Ah, la petite bombasse. Et glisser entre les ennemis. Ah, oh, bah d'accord. Bon, on m'a grignoté. On m'a râpé. Ah, ça, les ennemis vont beaucoup plus vite. Hein. Les ennemis vont beaucoup plus vite. Moi, je vous largue une petite bombe. C'est vrai que là, lui, avec des ennemis plus rapides, c'est un peu la folie parce que vu qu'il tire assez lentement sa bombe et qu'elle explose pas tout le temps au début, c'est un peu la folie. Le shield, bien sûr. Bien sûr, toujours, tout le temps, s'il n'y a pas de power-up d'attaque. Un shield à mort. Un shieldus. Ah, j'ai attendu point, je voulais qu'elle pète, elle a pas pété. J'ai pas pété. Ah, je crois que je vais galérer. Je vais galérer. Parce que là, on... Elle est pète, elle a pas pété, putain. Allez, il me faut le power-up de la bombe, là. Il me faut le power up de la bombe. J'ai même pas d'attaque secondaire quoi. Il chie sa petite bombe là et hop. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Au début ça peut être lent. Après il faut pas être trop lent parce que je vous ai dit, les ennemis apparaissent en fonction du temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Et un problème c'est que j'ai plus le temps. Ah la maladie. Heureusement que j'attends le pentagramme. Allez, donne-moi un truc sympa. Ok, mon cul sur la commode. Pas besoin de ça maintenant en fait. Là, ils vont me donner des trucs pour absorber. Voilà, le power-up de la bombe déjà. Hop. Là, je peux pas comprendre. Je prends le power-up de la bombe en premier. Bon, toujours pareil, le même souci c'est qu'elle pète une fois sur 12. Allez, pète le chandelier là. Voilà. De chandelier. J'ai monté la luck là. Le petit soin qui va bien. Merci la luck. Hop là. Les dégâts. On fera le pentagone plus tard. La montre. Ouais, allez là. Je vais pas prendre le soin, connard. Connard, voilà. Allez, mais putain. Ah, tu vois que le panda quand il est au début, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance des partisans. Aïe! Il y a été mon shield! Toujours bien de prendre le pentacle là. Parce que à un moment donné, tu galères et bim, c'est le taf. Mais.
essayer de les amener entre les deux bibliothèques là, de les spammer avec les bombes. On a pas mal de bombes quoi. Voilà, le pentac qui fait le taf, mais putain, il donne pas d'XP. Hein. Ah, l'XP, c'est rubis sur ongle. Hein. C'est cristaux sur ongle et des merdes faux quoi. Hop. Ah, fula. Hop. Est-ce qu'il les chie les bombes? Et au début, il te donne plein de chandelures et après, tu peux aller te faire en look. Hop, à 50% de chance, là, on commence à discuter les bombes. Quand il faut les multiplier, maintenant, il faut l'item pour multiplier les objets. Là. Ce serait tellement stylé d'en avoir une dizaine. Là. Bam, 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 bam. La question, on fera l'XP. Et on s'en fait des... Parce que là, j'en balance qu'une seule. Là. Dégage-toi. Rapide, c'est saleté. Je vais bouger de là, tête à claque. Pas d'item pour multiplier les machins. Ouh, quand on aura plusieurs avec cette vitesse-là, je vais couper ma langue. Ça met un temps. Putain, j'ai même pas visé le machin. Je suis un peu dans la merde là, quand même, en termes de build. Oui. On rentre au tac. Hop. L'attaque du pentagone. J'avais dit que je m'arrêtais. Hein. C'est un truc de fou. Je vais voir le mode difficile. Why? Why? Oui. J'arrive à multiplier mes bombes par contre. Une certitude. Milliard à 3 bandes. Why? C'est un peu ça, j'ai joué au billard avec lui. Gata. Paf. Non! Pas dis-moi ça, Timal. Allez, pète. Bam! Putain, là, ça monte pas assez vite. Hein. Le temps passe. Le temps passe et passe et passe. Beaucoup de choses ont changé. On aurait pu s'imaginer que le temps serait vite écoulé. Et ce qui est chiant, c'est que quand je l'ai tué avec le pentacle, il me laisse pas beaucoup de... d'XP, quoi. Il est où, là? C'est pas de l'XP, quand même. Attends, comment on vit nous? Petit artisan de merde. Artisan de merde. Ouais. Aïe. Ça fait déjà 8 minutes et j'ai une build de merde. Hein. Alors au bout de 8 minutes j'avais une bonne build là. La chance du ramadan ne m'a pas souri. Ni souri. Paf. Ah. En train de jouer au billard. Hein. Aïe. Allez, un de plus, voilà. Déjà, ça fait plaisir, il y en a 3. Allez, hop. Je comprends pas, ils disent un de plus, mais j'en tire 3. C'est la logique. Allez, là, ça commence à faire plaisir. En tirer un peu plus. On en tire 2, en fait, pas 3, qu'est-ce que j'ai. Aïe. Ça veut dire plus vite. Ouh, là, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Ah ouais, d'accord, je suis mort. Franchement, ah ouais, c'est, on le voit, en fait, à la vitesse des mobs, que c'est plus difficile. Plus vite et là le build il a jamais décollé quoi, le up du build il a jamais décollé et c'était fini. Bref, je vais arrêter là, je suis vraiment fatigué, je suis éclaté, je vais me poser, je vais peut-être manger un peu aussi, ce serait pas mal. Et voilà, merci d'être passé à MP, comme toujours on remercie les gens qui passent. Puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain stream, de toute façon personne celui-là va le regarder, je le sais. Mais ce jeu est une exception qui confirme la règle, c'est n'importe quoi. C'est un très bon jeu d'Empire Survivor. Très bon. Meilleur que des blocs de stars à 80€ qu'on s'en bat les couilles qui sont génériques de merde. Ce jeu-là, on peut y passer des heures et des heures et des heures. Regardez, il est 13h, j'ai commencé à 11h, ça veut rien dire. J'ai pas vu le temps passer, j'ai eu ma build de dingue. C'est un excellent game.
surtout pour le prix, quoi, 2,30€, 35, 30, je sais plus quoi. Ça vaut des jeux à 80€. Bref, des bisous, salut et tchuss.